Les amis, bonsoir à tous et bienvenue pour cette première sur O-Gaming TV, cette première de Saturday Night Player avec moi aux commandes Fred of the Dead, mais je ne serai pas tout seul ce soir car je suis avec un ami à moi, un très grand ami à moi, qui vous le verrez ce soir aura du skill je pense, enfin en tout cas plus que moi. Oui. Non, il y a la roue tourne, va tourner, monsieur Morir. Donc normalement, c'est bon. Dites-moi, mais ah, ça commence, ça y est, salut, bonsoir à tous. Ah là là, c'est la fête. Bonsoir Terry, comment ça va? Bonsoir, bah, ça va super bien, je suis ravi, je suis content, c'est un honneur. C'est un honneur parce que quand j'ai appris que c'était ta première sur O-Gaming TV, j'ai un peu compris après tout ça. C'était une première. Ma choisie, ça me touche. Donc du coup, je fais un gros bisou à tout le public d'O-Gaming TV. Ce soir, c'est ma première. Et donc ce soir, c'est la première de quelle émission? Eh bien, l'émission Saturday Night Player. Est-ce que Terry, tu vois à peu près le concept de Saturday Night Player? Oui, à peu près. Alors, est-ce que tu veux que je le présente ou c'est toi qui t'en occupes? Parce que je vais peut-être faire des bêtises. J'ai participé à Saturday Night Player. Effectivement, il faut que vous sachiez que Saturday Night Player, c'est un vieux projet en fait. On voulait faire une émission qui traitait des jeux multi, des jeux rétro multi, que l'on pouvait faire le samedi soir avec des potes. Et du coup, en fait, on s'est dit, voilà, on va se faire ça, on va le monter, on va le balancer. Et c'est un projet qui s'est pas concrétisé, mais je me suis dit, en stream, why not? J'invite un pote, et on vous présente des jeux qui nous amuseraient à faire un samedi soir entre potes. Alors, principalement dans le rétro gaming. Hein, dans le rétro gaming, voilà. Mais attention, parce que c'est vraiment dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs jeux multi. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas que du jeu de baston, il y aura du Mario Kart, il y aura du Bomberman. Fred, on t'entend. Ah merde, c'est vrai. Arrêtez Skype, bordel de crowd de bike. C'est vrai. Comment je fais pour enlever Skype déjà en fait? Est-ce que je ne sais pas? Skype quitté? Non, mais non. Il faudrait que j'enlève le bruit de Skype. Je ne sais pas. Je suis une merde. Bah, c'est quoi le bruit en fait? Ils entendent. Arrêtez de m'appeler sur Skype. Arrêtez de m'appeler. Salut Fanou Fano. Salut à tous, Fred, on entend Skype au fond, effectivement, je vais devoir gicler ça, et vous allez me contacter, bah oui, en même temps, c'est bête, mais j'ai mon Skype sur mon téléphone, donc c'est bon, quitter Skype, et je ne sais pas où est mon téléphone, et on se... Ah, mais il est là, c'est bon, allez, quitter... Ah, mets-toi en occupé sur Skype. Ah, mets-toi en... Simplement. Mets-toi en occupé, ah. Il vient de te sauver la vie, lui, hein. Comment fait... 10 points pour Gryffondor. Bonsoir. Alors, attendez, c'est quand même le Joe le fait. Mais comment on fait pour se mettre en... Putain, c'est fou, ça. Ah. Ne pas déranger. Do not disturb. Ok, c'est bon, ça y est, c'est bon. Donc voilà, les amis, alors, c'est simple. Vous savez que c'est la nouvelle de la... Oh, c'est bon, c'est bon, je viens d'apprendre à Skype. Comment on utilise Skype, c'est la folie ce soir. Donc voilà, Saturday Night Player, et bien c'est simple, on va vous montrer des jeux multi. À la fin, on donnera une note. Ouais. On donnera une note, on se dit, voilà, est-ce que c'est un jeu auquel on pourrait bien s'amuser, avec lequel on pourrait bien s'amuser le samedi soir. Et nous allons commencer. Alors, il y a un programme. Il y a un programme, parce qu'on va... Je sais pas quand on va commencer. Parce qu'attention, il y a un programme, parce qu'il n'y a pas que ce jeu-là. Non, alors, bon, oui. Le jeu, il est connu, c'est Capcom versus SNK 2. Voilà, alors ce soir, on fait du Capcom versus SNK 2. Mais sachez qu'on est ce soir de 21h jusqu'à minuit. Et je peux vous dire que la dernière heure... Ça va être un peu pas le running man, ça va être le truc qui va revenir dans toutes les émissions. La dernière heure, on se fera du Bomberman. Et on va savoir... Attention, regarde-moi bien. Ah, je te regarde. On va savoir qui est le meilleur à Bomberman. Mais voilà. On sait. C'est moi. Oh mon Dieu. Donc, je vous le dis, il y aura du Capcom versus SNK, mais dans la dernière heure, il y aura du Bomberman 5. Un autre truc à vous dire, les copains, sachez une chose, c'est que nous, on joue pas sur émulateur, on est des vieux de la vieille, on joue avec les vraies consoles. Et les vraies cartes mémoire, qui ça, vont... Ça, c'est bon. Salut, un... Oh, putain. Non, c'est bon, tout va bien. J'en ai marre, je suis entouré de personnes que je ne comprends pas, c'est bon. Donc oui, salut, un Christin en live, salut à tous les petits nouveaux. Donc ce soir... Capcom versus SNK, et je propose, du coup, les copains... On pourra entendre ce bruit. Voilà. Ça c'est le bruit de la carte mémoire qu'on insère dans la manette Dreamcast. Ça nous envoie un peu 20 ans dans la gueule, et j'ai l'impression d'en avoir 35, et je pense que c'est ça. C'est là-bas, j'ai dit tout le temps, salut l'artiste Olivage, les manettes de l'extrême. Oui, effectivement, salut Zelwak. Donc les potes, c'est parti, on commence, et attention, vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes ready for the show?
Et c'est parti pour le show. Et voilà. En fait, il est surpris. Ah, ça marche bien. C'est pas mal. Ça marche plus que ce que je pensais. C'est fantastique. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, on est sur du Capcom versus SNK 2. Et c'est un peu l'honneur en Street Fighter 5 là. Du coup, c'est toi qui as la première manette. Alors, j'appuie sur Stall ou tout. Stall ou tout. Donc, on va voir un peu. Après, Start to Button. Salut Zalwak. Oui, à Start. Alors. Salut. Oh, Versus. C'est le mec, le gag de répétition. Alors, on va présenter. J'en profite pour vous présenter le ratio match et le 3 3 match. Est-ce que tu connais la différence entre les 3? C'est deux modes, enfin même c'est trois modes, parce qu'il y a aussi le single match. Et bien tu sais quoi? Non. Non, alors je vais t'expliquer. Explique-moi ça. Il faut savoir que dans ce jeu, chaque joueur a un ratio. C'est-à-dire que tu disposes de 3 barres pour compléter ton panel de combattants pour faire un match. Salut Autrement Luc. Dit, tu vas avoir peut-être Rugal qui va prendre 2 barres. Ouais, d'accord. Je sais pas. Okay, et Logashi qui va en prendre une. Ouais. Du coup, tu auras déjà fait tes 3. Alors que si on fait un 3 contre 3, tu n'as pas ce problème de ratio. D'accord. Et donc, tu peux prendre 3 persos qui prennent 2 barres. Qu'est-ce que tu veux, toi? Comment tu veux 3 contre 3, je préfère. Ah, 3 contre 3. Allez, c'est parti alors. Allez, alors ne pariez pas. Alors attention, ouais, parce que là, je préfère avertir de suite. Il faut savoir que dans le jargon, enfin, dans l'univers des jeux vidéo rétro, Terry, on l'appelle Arcade. Arcade. C'est un peu le mec qui joue trop bien à tous les jeux rétro du monde. Donc du coup, en fait, ça va être un peu dur de le défoncer un peu à... Alors, là, on verra pas du coup les barres que ça prend. Ouais. Alors, Est-ce que toi, tu as une team préférée? Qu'est-ce que je viens de faire? Putain, non, j'ai pris des gonds que je voulais pas, je peux pas revenir en arrière. Alors, il y a écrit quand même Terry va exploser Fred. Alors, Quoi? Tu as acheté ton t-shirt, ce t-shirt m'a été remis par Yoshinori Ono. C'est vrai? Excel. Oui, c'est vrai. Il était à Cannes pour un micro. Je crois que c'était un Micromania Game Show il y a très longtemps. Il venait présenter ce qui va être Arcade, le jeu venait de sortir. Et on l'a affronté et on pouvait repartir avec le t-shirt. Voilà, c'est bon, c'est bon. Alors, donc, est-ce que toi tu as une équipe déjà? Mais putain, j'avais une équipe, mais en fait, j'ai merdé, j'ai appuyé sur les deux. On peut pas revenir en arrière là? On pousse un match? D'accord. Alors, c'est quoi? Moi, mon équipe est composée de Joe Higashi, de Ken. Ah bah oui. Et enfin, j'alterne souvent avec Aomaru, Masaru. Mais j'avais dit ça, français et par prendre quelqu'un que je ne trouve plus, donc une petite. Je vais prendre Aomaru. Mais en fait, je prenais Aomaru parce que c'était sympa, parce que du coup, on avait SNK, Capcom et Street Fighter et enfin le dernier. Ça du coup, ça mélangeait un peu les trois jeux, ça rendait un peu hommage aux trois jeux. D'accord. Ouais. Bon, en fait, vos paris, mais je vous le dis, sont trop forts, on me dit. Sont trop forts. Alors, écoutez, je n'entends pas super du coup. Ah. Voilà, on avance le micro, on le met là. Voilà, on avance le micro et on met ici. On prend dans le micro comme ça, c'est super. Bonjour les copains. Alors attendez, possible de baisser un peu le son du jeu, oui. Je peux baisser un peu le son du jeu, attention. Normalement... Oh là là, mais... Ah, je suis... Oh, ce mec-là, je vous dis, c'est David Guetta. Il a une table de mixage, je suis impressionné. Moi, j'ai envie de lever les mains dès que je vais rentrer dans la pièce. Allez, tu vois. Attends, deux secondes, il faut que je m'envoie de mon micro, bordel. Attention, on fait un button check. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Allez, normalement, c'est bon pour moi. Alors. Hop. D'accord, effectivement, c'est sa vie, hein, quand même. Allez, Mino, c'était pour moi le premier coup, là. Ah, c'est terrible. Amenez-moi ce arcade. Attends, tu peux pas faire ça. Mais bien sûr que je peux, regarder. Double dans ta bouche, hop, et je reviens. Et là, t'es coincé, regarde. Oh non. Allez, Joe Higashi, 4 combo, bam, allez, bam, bam. Allez, bam. Non, mais c'est de l'anti-jeu, monsieur. Regarde, Shoryuku. Putain, c'est de l'anti-jeu, voilà. C'est pas possible, ça. C'est le Taïoni Sagat qui lui a pris. Non, c'est pas vrai, Joe. Là, tu l'as coupé le son du jeu. Ah, j'ai coupé le son du jeu, d'accord. Alors, attendez. Alors, deux secondes, reviens un peu. Hop. Putain, je ne connais pas du tout. Alors, attends, parce que je connais pas du tout ce personnage. Je suis un peu dans la merde. Alors, Yuri, on fait un petit clin d'œil à la sœur d'Eric. De Argol, pardon. Ah, d'accord. Je n'arrive pas à faire un quart de cercle, incroyable. Alors, évidemment, avec Joe, c'est assez facile. Il suffit de spammer contre le joueur débutant. Arrête de faire genre le mec, c'est
ça m'énerve ça. Non, mais tiens, Dragon Punch de quoi? Tiens, arrête ça, je passe par-dessus tes boules. Le mec, c'est... Tes boules qui te fait rire, boule ça te fait rire, toi. Eh ben écoute, tu l'auras voulu, la technique... Tu l'as voulu la technique... Ah non. La technique... Ah non, c'est Toshinken, là. Oh pétard, c'est bon. Ça va être une vraie... Oui, Jason Young, ça va être une vraie boucherie. Là, effectivement, copyright, Rocky 3. Non, c'est pas Drago. Oh là là, là là, mais non, c'est Rocky 3. Ah non, votre pronostic, une boucherie, oui, c'est autant pour moi. Où con, là, t'as pris... Où con. Ken. Alors, savoir que Ken, c'est historiquement mon personnage préféré de la saga. Et Par contre, c'est moi où il fait mal, un peu. Putain. Non, mais en fait, tu commences avec l'énergie d'avant. Alors, ça s'appelle une karaté shop que je t'ai fait à peu près 2 mètres du sol. Hein. Quand t'es retombé, ta nuque s'est brisée. Allez, c'est net, je suis un peu Christopher Reeve là, j'ai l'impression. Ouais. Fred, serais-tu prêt à jouer dans des productions plus matures si Fabien te le proposait? Je ne sais pas ce que ça veut dire plus mature. T'as vu ça, cette interaction? C'est parce qu'en fait, Terry et Ken sont amis dans la vraie vie. Exactement. Non, je déconne. Oh le mec! Non, mais c'est vrai, ils ont créé des. Ah ouais, regarde, mec. Hein, regarde, tiens, voilà! Merde, non, mais reviens, tu devais être là quand je le faisais ça. Tiens, balayette. Tiens, hop. Alors on est sur un ballon. Oh, oh celle-là elle te plaît pas hein. La planchette japonaise en l'air, bam. Hop, enchaîne ta de ça, bam. Et hop, show you de hit. Oh là là, c'est totalement du jeu. Je vous le dis, je vais être sans pitié. Oh là là. Le match est fini. Bon, ouais. C'est à tous les jets de la pitié. Tu veux que j'ai de la pitié? Tu veux que je mette du handicap? C'est ça que tu veux? On en parle. J'ai honte, mais c'est pas de ma faute. Okay, bon, allez, maintenant joue avec les mains. Cet homme vient de me faire un deuxième anus et il ose dire ça. Ça c'est fou quand même. C'est fou. Bon. Terry de Wind Waker. Non, pas du tout. Terry dans Wind Waker. Terry Bogard, c'est pas le vendeur. Terry. Oui, c'est le vendeur qui est sur la mer en fait qu'on rencontre de temps en temps. D'accord. Okay. Confirme-moi, hein, Mr. Link 84. Il me semble que c'est bien. Bon, du coup, allez, je vais prendre ça, gars. Alors, est-ce que tu connais la différence entre le C Groove, le A Groove, le K Groove, le PK Groove, le... Avec Capcom Groove, alors, Art of Fighting Groove. Ouais, c'est ça. Mais le problème, c'est que je ne connais pas la différence parce que j'ai toujours utilisé le Capcom Groove pour. Moi, tu sais quoi, ce que je propose? On va faire ce match-là. Oui. Et ensuite, ce que je propose. Ce match. C'est. J'ai un truc. Je te coince les mains, je les attache, je te mets quelque chose sur les yeux. Ouais. On joue. Tu veux? On peut voir. Bon, attache-moi les mains pour commencer, parce que là on n'est pas dans 51 degrés, d'accord? Donc tu vas vite te calmer. Non, alors moi par contre, ce que je propose réellement, c'est qu'on... C'est Anastasia. Ce que je te propose, c'est de mettre les persos en random après. Ouais, c'est vrai, j'étais en train de randomiser dans ma tête, ça, c'est vrai que j'allais prendre. Donc on met les persos en random après. Qu'est-ce qu'on pourrait dire un peu sur les personnages, un peu sur le roster? Alors, j'ai donné une petite astuce aussi, tu peux choisir l'ordre de passage de tes personnages. Alors par exemple, quand tu as pris ton troisième personnage, vas-y, ouais, choisis-le. Ah, attends, parce que là... Le roster est très bon, si on regarde bien, il est vraiment très, très bon. Très très sympa. Alors là par exemple, ah non, tu as pas pris, vas-y, choisis. C'est pas qui prend, tu sais, genre le mec. Ouais, mais dis, c'est... Oh, mais c'est bien, on est à 3h, prends ton temps. C'est cool. Okay, cool. Ouais. Alors regarde, vas-y, valide le handicap. Ok. Non, c'est pas maintenant. En fait, tu peux choisir l'ordre de passage de tes personnages. Voilà. Non, c'est pas ici. Oui, c'est là. Donc, si tu fais 2 low punch, tu choisis Gaël en premier. 2 medium, je choisis Rolento en premier. Et 3, les 2 forts, pardon, je prends Dan en premier. Ouais. Et ainsi de suite. Donc, si j'avais fait 2 forts, j'aurais commencé avec Dan. En suivi de 2 moyens, j'aurais enchaîné avec Rolento. Ouais. Et fatalement, j'aurais eu Blanca à la fin. Oh putain, toi, t'as. Ouais, Golgoth 72 aussi. Golgoth 72. T'as Sagat en face de moi et tu oses dire que c'est moi qui ai pris Golgoth 72? Non, mais tu. Ton mec, si tu veux, dans Street Fighter 4, il touche la barre d'énergie, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah ouais, tu veux faire du Tiger, toi. Pas de Tiger? Tiens, moi, je vais faire du Flash Kick. Oh, je sais plus faire un Flash Kick ou quoi? Non, tu sais plus faire un Flash Kick, ok? Ah, mais je mettrai la faute sur la manette, hein. Tiens! S'il se passe quelque chose, si je fais exprès de faire... Si je perds... Oh, pète. Allez, je déclenche. Allez, et... Oh! Flash kick! Flash kick! Non, le truc! Le mec il reste à. Juste au moment où je suis étourdi, bordel de crotte! Ça me fait penser, puisque Street Fighter 4 est sorti officiellement. 5, pardon, est sorti officiellement aujourd'hui. Je fais du coin kendo. Il n'y a plus de coup à charge! Oui, c'est vrai! C'est vrai! Donc ça m'a fait très bizarre de faire un Hadoken pour faire les. C'est bon, calme-toi, Kim! Le mec, mais. Les mille pieds de.
les 1000 pieds de Pégase dans ton cul. Eh, ça va, ça te sert à cad. Attends, je vais essayer là. Ça va bien te... Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas ce qui s'est passé. Moi non plus. Ouh, c'était un bel enchaînement. C'était un bel enchaînement. Comment c'est un bel enchaînement. Je ne sais pas. C'est bon, ça va. Moi, je n'ai aucune technique et c'est pour ça que je suis... Oh putain, t'as pris Rolento. Rolento qui est un personnage de quelle licence de Capcom, mon petit Terry? De Final Fight. Très bien. Ah, mais j'adore ton air condescendant. Genre, je vais t'apprendre un truc. Mais attends, pas du tout. Mais pas du tout. J'étais en train de faire de partie. De quel jeu, mon petit Terry? Tu le sais, toi? Oh, c'est bien de faire les roulettes. Non, mais tu voulais faire du samedi soir là entre toi. Tu vas l'avoir ton samedi soir entre toi. Non, mais ça sert à quoi ce truc de merde? Je sais même pas à quoi ça sert. Mais tiens, tiens, tes couteaux de merde vraiment là. Qu'est-ce que ça? Dis-moi où est mon avenir. Tiens, dis-moi. Le coup de la merde. Ah, mais laisse-moi tranquille. Tiens, casse-toi là, relève-toi de mes couilles. Ah, les fesses là. Oh là là. Oh, c'est mieux. Allez, si tu veux, pour le dernier round, j'arrête de jouer de dos. Non, c'est pas crédible. Ça marche pas. C'est totalement pas ça crédible pas du tout. C'est totalement pas crédible du tout. Voir jamais croiser les doigts qui m'offre plutôt un boîtier d'acquisition. Allez, oh putain, j'ai pris Ryo. Ryo, le pur Shoto SNK, quoi. Avec Robert aussi. Robert les fantômes. Non, Robert, je sais plus comment il s'appelle. Robert Garcia. Oui, voilà, je voulais dire Robert Patrick. Je suis non, il n'y a pas le timide, non. Robert Patrick. Bon, en tout cas, les copains, j'espère que vous passez une bonne soirée. Pour l'instant, en notre compagnie, ça fait 20 minutes qu'on va commencer, mais c'est pas mauvais, c'est pas trop mal. Là. Oh putain, t'as pris Dan. Dan, alors, Dan, est-ce que tu peux m'expliquer Dan, c'est un perso qu'on prend pour humilier les gens. Pourquoi? Parce que son Hadouken, il va pas loin, comme tu peux le voir. Son Tatsa, il a une portée. Alors, moi, j'appelle Tatsa les dragons. Non, mais il a des coups d'Akuma. Ça va, le mec? En cas, t'as peur ou quoi? Non, il est pas mauvais. Il est pas mauvais, mais il est clairement nerfé. Et c'est un perso qui est. Qui est là un peu pour le fun, pour la blague, et voilà. Tu affronteras rarement dans Street Fighter 4, bon. Il y avait de perso qui ont utilisé quoi. Oh putain, j'ai pas passé. Attends, je te finis avec mon finishing move. Enfin, si j'arrive, parce que c'est quand même mon dernier. Oh, voilà. Chier. Ah, moi j'ai une tradition. Moi je finis toujours en shuriken. C'est comme dans la vie, c'est comme quand je fais à manger, je fais un shuriken, tu vois, dès que j'ai fini. Ah, ça me dégoûte. Donc c'est une parodie de Ryo Sakazaki de chez SNK. Ben voilà, tu sais plus. Ça me dégoûte là, j'ai perdu comme une grosse merde. Random. On verra après pour les mains. Je sais pas si t'étais sérieux, tu vois. Alors d'habitude j'arrive à dire dans ses yeux, mais là pour les mains. Juste avant qu'on commence avec le random, donc du coup en fait bon, on met le Capcom parce que je trouve que c'est la combinaison la plus simple en fait pour les jeux. Pour le jeu, le Capcom. Par contre, dis-moi alors, parce que tu vois, par exemple, t'as pris Eagle. Non, Eagle. Ah, c'est du random, tiens, ouais, excuse-moi. Alors, Eagle, ça, c'est un perso de Street Fighter 1. Oui, c'est un perso de Street Fighter 1. Tout à fait. Alors, attention, je ferme. Non, regarde pas. Je ferme les yeux, attention. Mais non, mais c'est random que tu fermes les yeux. Mais oui, mais ça, en 5K, je veux voir la surprise, attention. Allez, prends 1, 2. J'ai pas vu ce qui est. Il y a un cardiaque là quand même. Non, toi aussi, ouais, mais cardiaque. Moi aussi j'ai Godrigal. J'ai Godrigal et moi j'ai Mirou. Non, Amandine n'est pas là. Amandine n'est pas là ce soir. Nous sommes tous les deux. Choubidouba, la voix tropicana. Alors attends, parce que moi je sais pas du tout me servir de Rugal. Le mec qui a en animal de compagnie une panthère. Ouais, c'est ça. Oh, c'est mal hein, t'as mal hein. Ouh. T'as mal ou pas? Je sais pas quoi faire. Je connais absolument pas les coups de Eagle, c'est terrible. Ce jeu, je le connaissais bien. Passé un temps, ouais. Mais je connaissais surtout mes personnages. Mais alors après, j'ai un peu largué. Hein. Watcha. Mais bon, moi je connais un coup de spam, voilà, technique Tekken. Ouais, putain, mais oh, Rugal, mais. Putain, par la tornade infernale. Par la tornade infernale. Attends, Robert. Attention, regarde dans la gare, regardez comment ça passe. Notre du spectacle ce soir. Merci Zelwak pour tes 3 euros. Merci beaucoup Zelwak. Un grand merci. Premier contributeur de la soirée et premier contributeur sur OGaming, Zelwak, avec ses 3 euros. Merci beaucoup. Voilà. Et Turbo Keket qui est là peut-être. Ou con, Everin. J'adore ce pseudo. Par contre, attention lui. Oh mes crottes! Oh putain, si je savais faire le. Tu savais jouer? Oui. Hein? Ouh! Tiens, par la toupie magique!
putain, de mourir. Oh ouais, la même attaque marche. Approche, approche. La même attaque marche pas deux fois. Oh tiens, oh tiens, voilà. Putain. Ah non, ah non, non, non. Oui, c'est dur, ton os, c'est ça. Ça s'appelle Amus, c'est terrible. Ouais. T'es genre. Non. On a 9. Ça, Terry dort avec Fred et Fred va prendre cher son sujet. Non, apparemment. Fred, avec lui, t'as intérêt à limiter les gars. Ouais. Je suis content que ce soit toi la femme. J'ai, oh, j'ai pas réussi un seul perso là. Putain, je suis deg. Ça va, il fait du golf. Ouais, c'est ça. Eagle, la méfesse. Regardez, regarde. Quand il marque un, quand il meurt en un coup, ça s'appelle un. En dessous du par, c'est Eagle. Eagle. Eh, hey, pas mal. Eh. Hey. Ils travaillent leur perso. Ils travaillent leur perso, les mecs. C'est fou ça. C'est beau. Donc salut à tous les petits nouveaux et salut à tous ceux que... Oh putain, c'est vrai que c'est Athéna. Mais tu ne connais pas. Mais c'est avec les autres chevaliers là. moi c'est ça, déjà un nouveau perso, alors je sais pas si tu fais pareil. Merci Necro76 pour ses 5€ de dons. Qui nous bouche la vie, Twinkle, Twinkle, bouge ton cul de là. Arrêtez avec les dons. C'est genre avec, non c'est pas vrai, allez-y. Moi c'est simple, dès que j'ai un nouveau perso, et je sais pas si tu fais pareil, je tente tous les coups avec des Hadoken, avec des Shoryu, t'sais. Mais c'est totalement ça en même temps. On dit... Ah merde, je suis à droite, oui je le savais. Tiens. Ah. Oh. Tiens, Nayou, tiens, je fais... Hop là. Tiens, tu l'as pas vu venir, ce sidekick de là. De là. Oui. Il était placé. Ah, il me il reste... Il était placé. Il ne me reste que Godrugal. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Alors... Il a... c'est clair. J'avais pas compris, c'est il ne me reste que Godrugal. Oh alors, mon ouais, dieu, mon dieu, mon dieu. Sauf que Godrugal et Vilryu, bon, ils savent pas, ce sont des persos que nous on appelle entre nous des cardiaques. Des cardiaques. Ça veut dire que les gars, ils font hyper mal, mais ils prennent un coup, ils perdent la moitié d'énergie. C'est à peu près ça. Ouh putain de. Ah, je prends ton énergie. Ah, shit. Shit. Tiens, comme Chipmunk, regarde, je fais le finishing move. Oh là là là, shit, je suis dégoûté de la vie. Ah, regarde, je fais. Non, je suis pas comme ça. Regardez. T-shirt, là, hein. En fait, il y a une histoire, en fait. Je viens de me rendre compte qu'il y a une histoire en 4K versus SNK2. Eh bien, figure-toi que je n'en sais rien. Le suspense, c'est comme les acteurs, attention. Hein, vous croyez quoi ? On demande, je réponds, je comprends. Donc, les amis, si vous avez des questions sur le chat ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les balancer. Envoyez vos questions, on se fera un plaisir d'y répondre. Mais finalement, je trouve que c'est assez sympa de se faire un peu des parties comme ça entre potes et tout. Et d'essayer de vous expliquer un petit peu le jeu, parce que nous, on connaît que. Donc, du coup. Random. Ah bah oui. Et en même temps, on appuie en même temps. Attends. On fait. Attends. Hop, deux. Un, deux, trois. Stop. Un. Ah, je gagne. Deux, trois. Ça va. Un, deux, trois. Ça va. Oh, 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 c'est Gail. Ouais, c'est Guile. C'est Guile. C'est Guile. Alors voilà, et rétro Saturday Night Player, moi je vous dis, à l'époque, Gail, on savait pas le prononcer. Ah, c'est Guile. C'était Guile. C'était Guile et Guile, quoi, on savait pas. Ah, mais c'est Guile. Je vous promets. Regardez, c'est Guile, c'est trop bien. Avant qu'on sache que c'était Gail, quoi. Je vous dis, faut voir ça, faut voir qu'on avait une borne d'arcade sur Twitter, on avait pas internet et personne pour prononcer son nom. Personne que je connais pas. J'appuie sur les boutons. Hein? J'ai pas le droit? Non, t'as pas le droit. Merci Ange Dams. T'as pas le droit. Merci Ange Dams. Mon premier don, j'avais une photo de toi en latex. Mais tu l'as donné pour que je croyais. Ces gens me connaissent par cœur, j'ai l'impression. Mouvez le galeur. Aïe, aïe, aïe. Tiens. Et tiens, un petit quiz. Est-ce que tu connais le nom de famille de Ryu? Ryu Sakazaki, non, je sais pas. Je sais pas non plus, en fait, ça veut dire. T'arrêtes de dire de la merde, toi. J'espérais que tu répondes pour dire. C'est ça. C'est bon. Oh, tiens, shit. Tiens, dans ta bouche, regarde. Ça, c'est ta bouche, ça, c'est mon pied, tiens. Regarde, ça, c'est mes molaires par terre. Ça, c'est tes molaires. Alors, moi, j'ai un petit truc à dire par rapport à ce jeu. Pourquoi tu te dis? J'ai un petit truc à dire par rapport à ce jeu. Voilà. C'est que moi, j'aime beaucoup Capcom versus SNK2. Je mets sur pause, deux secondes. C'est la minute sérieuse. Attendez. J'attends, mais je vous promets, juste sur la sortie. Attendez. Il n'a rien à voir. C'est totalement sérieux. Écoutez, éteignez vos téléviseurs. Écoutez-moi bien. Concentrez-vous. La formation. Vous savez, comme Dodé le disait. Non, je sais. Parce que la blague du sort, c'est quand même j'ai vu Nietzsche sur sa table de nuit, quoi. Zarathustra. Non mais c'est vrai. Tu étais à Nietzsche.
Écoutez-moi bien. Non, moi, tu dors de l'autre côté. Ça n'a rien à voir. C'est de l'autre côté, il y a 51 degrés. Donc... non, de l'autre côté, il y a Batman vs Superman. Ah, c'est bon. Ça, donc, du coup, en fait, il y a un truc, moi, c'est dans le Capcom vs SNK 2, j'aime beaucoup le jeu, mais je regrette les décors en 2D du premier. J'ai pas compris. Tu regrettes, ça veut dire qu'il te manque? Bah oui, je regrette. Ou que tu aurais voulu qu'on n'ait pas gardé ceux du premier. Parce que je sais pas du tout ce qui était dans le. Mais en fait, là, c'est de la 3D en fait, oui. Les décors. Alors que dans le premier, c'est vraiment de la 2D pure en fait. Non, pourquoi pas. Tu sais, on a déjà vu des décors, des persos 2D aussi dans les décors en tout cas. Hop! Allez, viens. Est-ce que tu es capable, attention, quiz up, est-ce que tu es capable de me dire combien il y a de Capcom versus SNK sur ta gueule? Mais attends, mais je te démonte. Oh là 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 là. Sur Dreamcast. Hein? De Capcom versus SNK sur Dreamcast? Ouais. Merde. Attention, il y a un piège. Je dirais qu'il y en a 3. Mais moi aussi, je pense à 3. Mais pourquoi? Eh ben si, en fait, il y en a... Pourquoi je dirais 3? Pourquoi? Putain, j'ai pris Joe le... Chine Goku. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Surtout pour ça, quoi! Putain, il avait 3% de chance! Le mec, il a balancé ses 3 barres de super pour ça! Oh putain, tu sais. Alors, parce que pourquoi? Il y a Capcom vs SNK 1, Pro Millennium Fighting. Voilà. Il y a Millennium Fighting. Et ensuite, il y a Capcom vs SNK 3, 2, 1. 1, 0! Non, Pro! Pro avec Dan et. Et Joe Higashi qui a été récupéré en fait, qui ont été remis dans le roster et qui n'y étaient pas. Joe Higashi, t'es sûr? Joe Higashi, oui. Il n'y était pas. Et après il y a Capcom. Et après il y a Capcom versus SNK 2. Donc du coup voilà. Tu vois, les gens sont surpris. Tu t'as suivi. Alors c'est marrant, mais j'ai l'impression ce soir qu'il y a beaucoup de mon public et en fait il y a très peu du public de gaming parce que je vois pas beaucoup de nouvelles têtes en fait. Alors peut-être que les gens ne balance pas sur le chat, mais allez-y, mais effectivement, il y a très très peu du public de gaming, je crois que les gens ne m'aiment pas, j'ai envie de vous rire. Ça fait rien, on va continuer en random alors. Ah bah c'est Jean-Louis. Ah mince, j'ai pas fait random. Ah Terry, attends, approche-toi un peu plus là. Si tu veux, on échange. Mais non, mais tu sais quoi, moi je joue le jeu. Moi je joue le jeu, je suis en random, voilà. Un gage au perdant de ce match. Non, arrêtez! Ah, oh, Medmed 27, allez! Wow! Oh, c'est un bon roster! C'est quoi ce roster de... Ouais, mais t'as Blanca quand même! Oui, t'as connard! C'est pas bon! Moi, Job, c'est sans causer! D'accord, Gribou, d'accord à tous! T'es capté, on est là, Fred, on surveille! Ok! Mais vous faites partie du chat, c'est pas vrai! Fred, je pense avoir un jeu rétro qui va te faire rager! J'ai Wario Land 3, c'est bien parce que moi, je les ai les 3 en boîte aussi! Le 1, 2 et le 3 sur Game Boy! Alors après, je suis juste timide, mais non, faut pas être timide. Alors écoutez, alors regardez, avant qu'on commence, les amis de O-Gaming, ne soyez pas timides. C'est la famille, vous venez, vous installez, vous parlez sur le chat, il n'y a aucun problème. Je vous dis de suite, il n'y a aucun problème. Allez-y, faites-vous plaisir, parce que on leur fait peur, non. Alors du coup, moi c'est bon, hop là, c'est mon premier iPad. Mes ouïdés, bah écoutez, j'espère que pour ceux qui sont déjà sur O-Gaming depuis quelques temps... Regarde, je prends Blanquet en premier, là. Qui en deuxième et ah ouais, bah moi aussi, je sais pas ce que t'as fait. Je sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Non, mais j'aime bien cette idée là. C'est la touche, tu vois, des mecs qui savent faire des jeux de baston. Le petit plus, tu vois, puisque ça, tu pourras pas le rajouter en DLC à l'époque hein, sur la Dreamcast, tu vois. Je m'en fous, je t'ai eu une fois, c'est bon, tiens, deux fois là. Boulonka, allez, tu m'énerves là. Alors, explique pourquoi tu craignais d'affronter Blanca. Parce que c'est ton main. C'est mon main sur Street Fighter. Ouais. Voilà. Le main qui est donc pour les néophytes ici le perso principal, celui que tu gères le mieux, on va dire, voilà, généralement. Alors je suis nul, il faut savoir les copains que je suis très nul en jeu de baston. J'adore les jeux de baston, je suis très très nul, mais par contre je connais un petit peu. Je connais un petit peu le dialecte des jeux de baston. Et d'ailleurs tu as eu Street Fighter 5 un ou deux jours avant. Hein. Oh mais tu me gardes avec l'électricité là, ça languit de merde là. Meurs, putain là. Attention. Tiens, voilà. Sois inspiré par la tornade de Konoha là. Tiens, ah mais non. Tiens, dans ton cul là. On va lancer, je vais lancer un quiz dans le chat, rapide. Un petit quiz. Quel est le vrai nom de Blanca? Et toi tu le sais je pense. Oh shit. Allez, répondez. Le vrai nom de Blanca. Si vous gagnez, vous gagnez.
Le vrai nom, Blanca, oui. Oui, parce que Blanca était un humain avant de devenir une... Ça, c'est vrai, ça, ou c'est à cause du film avec Jean-Claude Van Damme? Non, c'était bien un humain. Putain, j'ai Joe le cardiaque, quoi, laisse tomber. Hein. Le mec, il m'a envoyé... C'était bien un humain, et... Non, alors, c'est pas Blanquette, c'est pas Bernard, mais t'en es loin. Bonjour, c'est... C'est pas Blanquette, c'est pas Bernard, c'est pas Jean-Bob, c'est pas Vaux, c'est pas Tamizy, Bernard et Bianca, d'accord. C'est Bernard et Bianca. Ah, j'ai au moins niqué un personnage avec Charlie, trois persos. Charlie, non, c'est pas Charlie. Je pense qu'on va Maca et Honda qui sont pas dans le film pour le moment. Après Terence peut-être vous dira quelque chose là-dessus. Oui, une petite pensée pour Blanca. Ouais, alors moi je suis. Attends, j'étais pas en train de regarder. Je suis à la fois. Sakura, alors moi. Attends, alors moi juste avant Sakura, je me pose une question. Oui. Est-ce que c'est un perso qui est apparu pour la première fois sur Street Fighter ou dans. Ou dans Rival School? C'est pas Sakura dans Rival School. Ah, bien sûr que si, c'est Sakura dans Rival School. Mais bien sûr que si, Sakura dans Rival School. Mais bien sûr que si, mon ami. C'est sûr? Shit! C'est sûr? Mais c'est, oui! C'est elle? Oui! Mais bah non, tu le dis? C'est sûr, il y a Sakura dans Rival School. Ah, c'est Jimmy, voilà. Jimmy! RSP Crew, bravo, tu as gagné. Troisième tentative. Mais écoute, Jimmy, tu as gagné. RSP Crew, tu as gagné une PS4. Payé par Terry, il est génial. Bien sûr que non. D'accord, ok. Non, donc, félicitations, c'est effectivement c'était Jimmy, et à la fin de Street Fighter 2, donc on voit sa maman qui vient le chercher, qui le retrouve, et qui l'appelle Jimmy, ils se pleurent tous les deux en se prenant dans les bras, c'est très très mignon. Oh là, c'est beau ce que tu dis. Mais non, mais moi ça me touchait. D'ailleurs, tu sais, j'ai mon petit Blanca bleu, la deuxième couleur, qui est là. D'ailleurs, toi aussi, t'as un Street Fighter chez toi, non, dans cette collection. Oui, j'ai Sakura. T'as Sakura, ouais. Sakura. Bon, en tout cas les copains, j'espère que vous passez une très très bonne soirée en notre compagnie. Ça change un peu sur Ogami, effectivement du rétro multi, mais j'espère que vous, bah, vous passez une bonne soirée. Non, random. Oui, random. Mais ouais, je vais tester. Ouais, non, je voulais tester. Oui, alors pardon, j'ai pas vu qui l'a mis en premier, parce que j'étais occupé à battre Fred en même temps. Alors. Bon. Ouais. Ça va? Deux persos à charge. Oh, mais il fait mal. Donc voilà. du coup là tu as Mike Bison. Bon ils insistent pour un gage. Ah putain mais c'est engage. Engage. C'est quoi? Mais écoute, je sais pas. Alors ça commence à apparaître pour la première fois dans Street Fighter Alpha 2. Merci Samy. Ah mais alors est-ce que c'est... Parce que je suis pas sûr qu'il s'appelle Sakura, hein, mais c'est vrai qu'elle lui ressemble. Non, elle a ça, les mêmes semble, ça fait Sakura. Mais elle a pas, elle a pas elle le confirme, même visage, j'ai une confirmation pour Sakura. Ouais. Ouais. D'accord. Eh bien moi je dément. D'accord. Non, mais j'aimerais bien vérifier ça. Donc, allez! C'est le mec qui complique les choses si je me crache comme ça. Non, ne complique rien, ne t'inquiète pas. Oh, les 1000 mains de Honda dans Street Fighter 2, elles étaient juste complètement cheatées. Elles arrachaient à peu près tout ce qu'on vient. Voilà, c'était. Viens là! Là, tiens, tu crois que je suis pas assez joué moi? Ouais. Boum! Oh boum! Sumo butt là! Sumo butt! Non, headbutt, sumo, oh, headbutt, je m'emballe un petit peu. Non. Tu sais qu'à la fin de cette soirée, je vais avoir des ampoules comme ça. Ah, ça, ces manettes là, écoutez-moi bien, jouer avec la croix multidirectionnelle sur cette manette, ah. Arrache la peau de. Ah ouais, il s'appelle Carlos Blanca dans le film. C'est vrai? Oui. Ah, alors Ibiki, c'est un perso qui apparaît dans... Samurai Shodown? Non, je sais pas. Là, ah, pas. Last Blade? Ah, ah ouais. Oh, mais non, attends, il faudrait que je vois un peu les techniques aussi, là. Ah, ah ben, tu les verras jamais, tiens. Putain, t'avoines une petite fille, putain, mais t'as pas honte. Tiens. J'arrive. Ah. Allez, vas-y, je te laisse. Pas ça quand même, mais c'est juste en même temps. Allez! Mais arrête, défends-toi un peu! Mais tiens! Tu me dégoûtes. Ah, t'as vu, on voit son clip. Son clip. On voit son. Mais là, en tant que caméo, elle n'a pas dit ça. Ah, merci! De quoi? C'est pas Sakura, la fille qui a à peu près les mêmes coups. Parce que c'est vrai, il y en a une. Non, elle est là. Mais elle n'a pas dit ça. Si, c'est Sakura! Il vient de le dire! Bien sûr! Mais Last Blade 2, j'ai eu raison pour l'autre. Sanusake, c'est un peu ta. Ta base de données, j'en dirais que Jonathan, oui, laissez-moi, je cherche. Ouais, c'est le trivia un peu. Oh putain, je déteste ce perso là.
Tiens, casse-toi, Honda, j'ai pas fait exprès. Donc, que ça grande, Ryosuke est une copine d'Inata qui Inata, a le même gameplay. Voilà. Hein, tu veux m'apprendre à moi les jeux de baston Capcom? Non, mais attends, Sakura apparaît. Tu veux m'apprendre à moi les jeux de Sakura? Tu veux m'apprendre à moi les jeux de Sakura apparaît chez toi. T'es d'accord, je t'en veux. Si, si, mais c'est juste toi. Hey, on a deux boss de fin là. Oh, j'aurais dû parler des M&M's. D'ailleurs, tu me donnes des M&M's, hein. Allez, casse-toi. Oh, mais arrête. Oh, mais tu m'agages, j'ai envie de te. Tiens. Je suis le mec qui perd son sang-froid, ouais. C'est toujours ce mec là. Oh, par contre, ça va les molaires. D'ailleurs, on peut voir qu'il s'appelle pas Balrog. Enfin, alors là c'est parfait pour perdre tout le monde. Alors je joue avec Gizon, tu joues avec Balrog. On est d'accord. C'est vrai. Parce putain que, par contre, vas-y hein. Puisque évidemment ce sont les noms de la version. Japonaise. Voilà. Donc on joue avec Mike Bison qui est en fait le bien Mike Tyson. Ouais. Mike Tyson. Alors Sakura est un perso jouable dans Rival School, Fred a raison. Dans ton cul, Terry. Ah, tu vois, ça me saquait, défends-moi, dépêche-toi. Dans ton cul, Terry, ok. Donc voilà, Inata et Sakura, je pense direct à Naruto. Bon, ouais, alors, est-ce que si tu perds 10 matchs d'affilée, tu prends un gage? Tu vas bien faire ça. Ah oui, tu vas bien faire ça. D'accord, mais quoi comme gage? Quoi comme gage? Quoi comme gage? Demande-moi comme gage. Comme gage. Bon, te rends domine. Trouvez un gage. Trouvez un gage pour Fred. Si tu perds 10 matchs sans en gagner un. Oh, trouvez un gage. Oh, t'as Morrigan quand même. Morrigan. RP, il faut faire la même technique avec les potes le week-end, genre débrancher sa manette, regarde là-bas. C'est à peu près ça, effectivement. Oui, on se brisait la nuque pour que... Nous, oui, nous, on s'envoyait des pots de fleurs à la gueule. Effectivement, comme ça. En tout cas, j'espère que vous passez une très bonne soirée en notre compagnie. Moi, j'avoue que je passe une bonne soirée. C'est assez sympa parce que du coup ça me remet un peu dans le Capcom et en plus c'est ça fait longtemps que j'ai pas joué à le jeu. Je vais y aller, il y a ce fait de alors Ange Dames, attention, ne plus poster de lien, autrement tu vas te faire kicker la bouche. Alors, c'est dommage parce que tu es Moda. C'est dommage. Gage rouge à lèvres maquillé par l'autre. Non, en plus elle a tout emporté, donc c'est pas possible. Elle est partie là tout près. La voiture. L'abri, la voiture, l'enfant, le lit, je suis tout seul, qui peut faire la play. Oh putain, va voir. Ok. Tu peux valider ton handicap, s'il te plaît? Bien entendu. Bien entendu. Allez, c'est parti. Donc, moi, j'ai Joe Samurai, Joe le Catcher, et... Oh putain, j'ai encore des gars, mais ça... Chantez la chanson de Segata Sanshiro. Je suis d'accord, moi. Ah, moi, je peux. Allez. Alors Frédéric, Monsieur Mourir, c'est Frédéric avec un C et QE, généralement c'est les filles en fait. Mais merci Monsieur Mourir. Alors, c'est le Péritel Show, c'est pas la page de l'émission, c'est Fred of the Dead, la page Facebook. Oula, Mino, Mino. Yeah, Benimaru. J'avais vu des trucs sur Benimaru. Ouais, j'ai vu, il était avec Beyoncé l'autre jour. Le mec regarde ça dans ce coup. Si tu veux, là, en plus, avec des cheveux rouges, il me rappelle méchamment David Bowie. Ouais, Zizi Stardust. Zizi Stardust, je sais pas ça. Bah, si, c'était son nom. Zizi Stardust. Ouais, ouais, Zizi. T'as dit Zizi. J'ai dit Zizi Stardust. Oh, mes couilles. Tiens, je te Stardust à bout, tiens. Allez, viens. Saint-Germain, tiens. Je sais que les dieux me pardonneront cette blague. Ah, c'est Dalsim le mec là. C'est Dalsim, là tu peux gagner. Tu veux gagner un match, Fred Appel Gold Dota en IRL, au moins tu en gagneras un. C'est Fred of the Dead sur Facebook. Oui, c'est Fred of the Dead sur Facebook. Jean-Pierre Polnareff. Ah, déjà, il a la tête de Jean-Pierre Polnareff. Jotaro. Jotaro Sam. Eh ben, vous savez quoi? Je vous le dis, mais Jotaro's Bizarre Adventure sur Dreamcast ou PlayStation sera un jeu de combat que nous ferons pour un Saturday Night. Pourquoi pas ce soir? Prends-la dans le lien avec toi quand tu as fini le live. Pourquoi? Je crois qu'elle parlait de notre enfant. J'espère. Oh, perso de merde, ça les gros là. Je. Attention, hein, c'est pas. Mais j'arrive à rien là, putain. Tu vas avoir des problèmes. Tiens, qu'est-ce qu'il m'a fait là, Hulk Hogan qui a mangé du. Oh, mais non, sérieux. Comment que tu délires là? Hulk Hogan il a mangé des Agendas, c'est une casse mondiale là.
Sérieux, allez, maintenant j'ai le droit, j'ai le droit à l'espagnol et féminé, là, c'est bon. Putain. Voilà. Voilà. Bah super. Allez. Ok. Super défense, bien ici. Ça sert à rien. Putain, mais casse-toi, là, avec tes cheveux rouges. Électricité. Le mec qui connaissait pas les noms des techniques à l'époque. Électricité. Oh putain. Oh mais c'est bon quoi. Oh Luc, le gars, tu te rappelles? Tiens. Allez, boule enflammée. Boule. Putain, je vais te cracher sur j'ai l'écran, le même. Je crois que je... Raiden, si je fais bas haut, il téléporte. LOL. Tu crois que c'est personne Mortal Kombat? Oh mais casse. Oh mais oh les gars, à part faire des feintes de l'espace. Merci. Approche, approche. Tiens. Ah, Sleek 91 qui vient de se mettre sur la chaîne. Merci à toi. Et voilà. Oh, et oui, n'oubliez pas les chaînes. Vous allez aussi. Pour la vanne. Oh putain, oh, tu sais que l'autre jour tu aurais été fier de moi. J'ai fait un live. Parce que ça compte pour lui. Ça compte beaucoup pour moi. Ça compte beaucoup pour moi. J'ai fait un live sur Castlevania 1er Dijon et je suis arrivé jusqu'à Dracula. Ouais, moi j'ai fini. Ouais, mais j'ai pas réussi à battre. Oh, j'ai pas réussi à battre Dracula. Sa deuxième forme. Ah ouais. Fallait taper la tête. Non, la première forme, j'avais pas le timing. J'avais ah, un timing de merde. C'est dommage ça. J'étais vraiment dégoûté. Mais je suis quand même arrivé à lui, j'étais content. Alors. Est-ce qu'on change de jeu? Enfin, on va jusqu'à 10, hein. Ah non, on change pas de jeu. D'accord. Non, non, c'est soirée Capcom versus SNK2. Et poutrage dans les règles. On va monter le pied. Si, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre Capcom versus SNK1 pour leur montrer. On va jusqu'à midi victoire, tu es ton gage. On va rester jusqu'à 22h et 22h, on se fera le Capcom versus SNK. Allez, je te maquille un peu, histoire. Non. Allez, je vais prendre ça. Alors. Non. Alors, random, je dis. Oh, pardon. Ouais. Je ne sais pas. Voilà. Tu vois, dans un jeu vidéo. Non, mais il te fait un bras d'honneur en plus. Non, mais c'est clair. N'empêche, Vega ou Balrog actuellement est un bon perso pour l'esquive. Je sais pas si c'est un bon perso pour l'esquive, mais en tout cas. Moi, je ne te touche pas le genou. Wesh, ce qui se passe sur la table reste sur la table. Hein. Je suis content qu'il n'y ait pas de problème. Ça, chez nous. Oui, c'est vrai. Alors, je reviens sur un truc que tu disais tout à l'heure. Mon avis sur. Alors, moi qui joue Blanca en tant que main, ouais. Je vais donner mon avis sur cette disparition. Je suis sans être pour. Bah, pour cette disparition dans Dota 5. Mais je trouve qu'il faut, faut accepter que voilà, les personnes partent pour laisser la place à d'autres. C'est comme ça. Voilà. Donc, j'ai tout à fait conscience qu'il y a forcément de bonnes raisons. On a tous notre perso qui, entre le 4 et le 5, a disparu. Hein, je veux dire, je suis pas le seul dans ce cas-là. Je veux dire, il y a des femmes de. Ça va, Zangief, en cas, t'es cardiaque aussi là. Femmes de Viper, il y a Rose, enfin, il y a tellement qui ont disparu. Voilà. Donc, non, ça oh, va. Shit, je vis très bien. Et mon nouveau main est. C'est. Ah oh, merde. Qui est mon nouveau main? Là, dans Strike dans 5, dans 5 ouais. T'as Ken? Non. C'est un nouveau perso? Ouais. Ah, Rachid peut-être? Non. Ou, Alex? Non, non, Nash, Charlie? Non. Je vois pas. j'ai mis tout le roster. Ah, mais il me connaît bien, et pas de soucis. Mon ami Thierry. Alors, tu sais, Thierry, enfin, Terence, comme Thierry, je pourrais te le dire. Non, c'est Karine. C'est pas vrai, Karine? Ouais, ah. Je l'avais beaucoup aimé dans Street Fighter Alpha 3. Et c'est vrai, je sais plus. Oh, oh putain, mais. Je sais, oui, c'est le cardiaque. Je sais plus qui a dit ça. Je crois que c'était. Je crois que c'était Ken. Tu vois, genre, tout en faisant la ceinture main pour les grands jeux romains de Nîmes d'avril prochain. Écoute, elle sert, c'est oui. Tout à ton honneur. Et donc Falora, Karine. Et qui avait dit. Il était intéressant, enfin, c'est bien de choisir un personnage dans Street Fighter avec lequel on ressent de l'affinité. Alors ça paraît un peu absurde, Écoute, qu'est-ce que ça veut dire ça là ça... Voltaire disait Marcel Pagnol, on s'en bat les couilles, c'est du Street Fighter là, ok. Ouais, ça explique pourquoi tu es toujours si mauvais. C'est ça, moi j'ai aucune affinité avec ces persos. Tu m'as dit que j'étais c'est, mauvais c'est comme. Très pas gentil ça. C'est comme. Tu vois, quand tu choisis un personnage, souvent tu prends un personnage classe, tu vois, t'as par habitude, tu vois, parce que ouais. Voilà. Mais c'est un peu, je pense que c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que tu vas choisir un personnage.
te plaît, qui te trouve classe, et tu aimes manipuler. Tu vois. D'accord. Et donc toi alors, ça sera Karine. Ça sera Karine. Et elle est facile ou quoi? Par rapport aux 5, honnêtement, je m'avance pas. Je pense qu'il y en a sûrement dans le chat qui connaissent le jeu un petit peu mieux que moi maintenant, de Fighter 5. Ouais. Moi, je vous le dis, je l'ai testé 2 heures à se casser hier, peut-être 1 heure tout à l'heure. Je le découvre, je peux pas dire. D'accord. J'ai appris à faire des combos un petit peu avec elle, je commence tout doucement. Mais je saurais pas dire si c'est facile à prendre. Pour l'instant, ça va. Voltaire disait de Marcel Pagnol. Oui, je suis plein d'anachronismes. Allume ta télé et regarde, et regarde Justin Bieber. Voltaire disait de Marcel Pagnol, un iPad c'est bien, mais c'est pas. Je montrerai mais tu vois montrer tes 3 pochettes Wario. Oui, pourquoi pas, tes amis, je pourrais te montrer les cartouches même, si tu veux. Tu les as mis en random là. Allez, oui. Attention. 1, 2, 3, 4, 5. Oh mais tes fesses là, putain, en plus t'es terrible toi, le premier. J'ai terrible, terrible bugger. Dans la fucking merde. Ah, oh, je me souviens à une époque, la caissière de Terry Bogard, c'était l'accessoire ultime de tout geek, quoi. C'est quand on a eu. Quand on a eu les bandeaux. C'est comme les bandeaux Naruto, quoi. Tu vois, ah, mais non partout, quoi, c'est... Pourquoi c'est garé en fait. En fait, faut savoir qu'ils ont le design SNK ou design Capcom, et parfois, en fait, je... Il y a des persos de Capcom avec le design SNK, je vois pas qui c'est. Je le reconnais pas, ouais. This battle is about to explode. Fight! Ah, j'aimais bien, j'aimais bien. Hop, hop! Oh, c'est ce qui ferait plaisir sur la Dreamcast. Vas-y, dis-moi tout. Et je pense qu'on pourrait bien rire. Il y aura du Power Stone, hein. On peut faire soirée Capcom, après celui-là on change. C'est quoi? On va vous montrer plein de jeux, qu'est-ce que t'en penses? Ah, mais non! Ah non, c'est vrai, tu vas me garder sous le coude! Ah oui, attendez, je vais vous montrer tous les jeux, les copains! Je te proposais. Non, mais genre, ce soir c'est spécial Capcom! On va dire que c'est spécial Capcom, mais quand même! Spécial Capcom 2D! Pourquoi? Marvel vs Capcom 2. Ah non, 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 ça sera un jeu, ça. Ça sera vraiment... Shit. Ça sera vraiment une soirée à part. Marvel, là, je suis désolé. Juste pour le... Non, non. Ils ont fait un choix musical pour Marvel vs Capcom 2. Ah ouais, ils t'ont fait du jazzy électro de merde. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est... Mais casse-toi, Evil Ryu, de mes fesses! Putain, tu vas mourir ou quoi là? Oh, mais c'est pas possible, je vais me faire poutrer! Oh, oh mais sérieux, sur un cardiaque, je me fais décevoir, ça va là! Ah putain, sur un cardiaque! Trop fier! Tu sais ce que c'est l'input de celle-là? C'est quoi? Low punch avant, low kick, high punch. Je t'ai calé ça dans le match, quoi. Je suis fier de moi. Ah oui, t'es un peu fier. Ah, je suis fier de toi, espèce de connard. Meurs, la putain de merde. Vas-y. Oh, c'est pas possible, ça. Bon. Regarde, mec, fanouille-moi sur l'out. J'ai mal, ce viol, Fred. Oui, c'est un viol. Effectivement, là, j'ai mal à mon anus. On peut dire... Oh, putain. Batatakun. Power! Alors, moi, ça me faisait délirer parce que dans la merde. Pouvoir Geyser! Ah oui, ça! Pouvoir Flamme! Tiens! Calme-toi, bébé. Ah oui! Ah, le. Ça, c'était vraiment un coup trop classe, quoi. Ouais, bon. Ça, c'est un coup trop classe et tu as arrêté parce que tu as. Je vais essayer de vous montrer le dernier coup de Terry. Ça va, Jolie, en cas, t'as des pouvoirs un peu? Est-ce que je peux faire une pause très rapidement? Allez, vas-y. Hop! It's a Zazuken. It's a Zazuken. Oui, tu dis le japonais, sûrement. Ah, tu n'auras pas pu la sortir. Ça pour faire ça, c'était vraiment nul, ok? Je suis très déçu. Très très déçu. Ah, je suis content de ce que je t'ai mis. C'était violent, ça, mais c'est, ouais, ça faut dire qu'effectivement. Je suis désolé, j'aurais dû préciser, c'est interdit au moins de 18 ans ce soir. On aurait dû mettre un petit. Oui, un petit interdit. Un petit rated RT, un petit. Je suis sûrement naturellement. Avec des photos de vampires. Est-ce que vous avez des questions? Oh putain, on a pris le. C'est quoi? Tu choisis mes persos. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Je suis pas comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Il fait comme moi, il appuie sur toutes les touches, voir si ça fait quelque chose. Effectivement, Zalwak, tu lis en moi comme dans un livre ouvert. Comme dans un livre de Marcel Pagnol et de Stephen King. Ils s'aimaient beaucoup, les deux. Ils étaient très potes, ils habitaient à côté.
dans l'Iowa à côté de Lyon. Ouais, c'est les voisins de Voltaire. Ouais, Voltaire et. Il y avait Charlemagne en surveillant au lycée. Isaac Newton était le proviseur, je me rappelle. C'était un beau collège, un peu au collège, le collège des cœurs brisés. Il y a eu beaucoup de soucis, mais sans gravité. Oh merde. Oh putain. Je savais qu'elle te plaît. Non mais je savais, je savais. Il a réussi à placer gravité avec derrière avant, après Isaac Newton. Cet homme est fort. Cet homme est très fort. Vous savez, je travaille beaucoup. Tiens, j'en ai profité. T'as l'enculé. L'enculé. Mauvais perdant man. Tu fais quoi la nuit? Tu fais bâtard toi, non? Sérieux. Tu fais quoi la nuit? Tu fais bâtard. Tu fais bâtard toi. Tu t'entraînes à bâtard. Bâtard toi. Tu bâtardises tout le monde toi, non? Ah, t'aimes bien les jupons. J'ai tiens là. Ah, mais alors toi tiens, tu vas prendre une super dans la cheville. Tiens là. Ah ouais. Oui. Bah ça ne marche pas. Oh. Ça marche, c'est monté, oui. Tiens, je mets une petite tige. Ah, esquive Jean-Yves, hein. Tu es moins malin. Tiens. Oh. Ouf. Putain, c'est pas possible ça. Non, on s'arrête à 10. On s'arrête à 10. 10 victoires d'affilée. Ah ouais, non, attendez. Oh non. Ah mais non, c'est moi. Mais ça va, c'est tout. Oh, j'ai cru que oh non, c'est moi. Oh, sérieux. Oh, ouais. Merci, merci Saga. Allez, écoute Saga. Saga. Sagat. Non, Saga. Sagat un peu partout. C'est bon, hein, on a le droit à des blagues de merde un petit peu quand même. Hein. Alors, non, il y a une commande pour le. Hop. C'est pas mieux les musiques. Pas la musique de stage, effectivement. Ah, mais tu as. Ça, vous avez remarqué quand même. Attention, attention, parce que là le truc, c'est que lui, il est trop malin. Parce qu'il est, il aime bien gagner. Mais quand il commence à perdre, attention, la terrible fait Nicky Larson, Ryo Saeba. Oula, que si je passe ici. Oh putain, j'ai pris Dalsim. Et tu sais que je vais sortir une grosse anecdote. Quand Street Fighter est sorti sur arcade, on m'avait dit. Il faut absolument que tu viennes jouer. Il y a un perso, il est énorme, ses bras s'allongent et tout. Mais genre Dalsim, c'était le Ryu, quoi, tu vois. Et ça m'avait fait délirer. Alors, si je vais avec la patronne, c'est plus fort que toi. Effectivement, effectivement. Je ne sais pas du tout combien on est ce soir sur le sur ce live, sur ce premier live. Ah, c'est vrai, bah, oh, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, du coup, on s'en fout, on s'amuse, on est comme ça. Ciao. Tu peux pas te protéger en fait. Je suis con, moi, putain, je suis con. Oh là là, je suis con, je suis con. Je suis vraiment con, ça m'énerve. Putain. Non, ça fait rien. À 90, ça passe pas beaucoup, hein. Je pensais qu'on serait un peu plus, hein. 123, ouais, d'accord. 272, 90. Alors, 90 après la police, 123 d'après les syndicats. C'est pas arrêté, hein. Si Archeon, c'est le mec de Noob, lui ou moi? Je sais pas, lui, hein. Si, si, d'accord, ok, si, c'est le mec de nous, bah oui, c'est le mec de nous, bordel. Si, c'est bien moi. Qu'est-ce qu'on fait? Il est 21h57. Victoire, c'est Gata Senshiro. C'est Gata Senshiro, d'accord. T'as vu, je m'en rappelle. Je ne sais pas.
voilà, c'est bon. En fait, Archeon, ils m'ont pas invité, je suis oui nouveau streamer sur OGaming. Oui, il y a le foot à la télé, il y a la Ligue des Champions ce soir, ah, bien entendu. Il y a quel score, s'il vous plaît? Il y a Astérix, le Gaulois, qui est avec nous ce soir. Non mais attends, mais c'est important. Astérix, Paris, Chelsea, je fais une parenthèse, je regarde Paris-Chelsea. Paris-Chelsea, attention. Je veux dire. Pourquoi t'as des photos de cul? Non, ne me spoilez pas, attention, Paris, Chelsea, attention, un partout. Ouf. Un partout. C'est fou. Un partout, question pour vous qui êtes chez vous, l'indice en bas de votre écran, je dis oui. Bon, moi je propose qu'on fasse une petite page de pub. Alors, tac. Je sais pas si vous êtes d'accord, peut-être une... But, oh, but d'Ibrahimovic sur coup franc. Oh, ça va bien le voir. Oh, ah, il devait être beau. Ah, il est beau. Ah, il devait être beau. Oh, il devait être beau. Ah, il devait être beau. Ah, mais il est beau. Bon, en tout cas, les copains, moi je pense qu'on va faire une petite page de pub. Je sais pas si vous êtes d'accord. C'est John Obi Mikel qui marque le. On s'en bat les steaks. Je suis désolé. Donc, je vous dis, bah, de suite après une petite page de pub, les copains, restez connectés. On arrive après cette page de pub. Allez, à de suite. Et rebonjour les copains! Avec Terry qui regarde, qui fait un peu ses emplettes là, j'ai l'impression. Non, en fait, je profite de la pub. C'est vrai que. Je disais à Fred tout à l'heure, mais c'est vrai que 5 minutes de pub à la télé, on a l'impression que c'est interminable. Ouais. Mais alors quand c'est nous qui devons justement présenter, c'est très court, effectivement. Donc bon, rebonsoir les copains et bienvenue donc sur Saturday Night Player, donc première émission multiplayer. Stand around the street. Yeah. Donc re à tous. Et là en fait les copains, ben, il s'est passé pendant la pub qu'on a décidé de vous faire découvrir le premier avec Terry. Donc là on va jouer au premier Capcom versus SNK. Donc enfin, sur version... Dreamcast. La version pro. Alors attention, c'est le nom à rallonge. Capcom versus SNK Millennium Fight 2000 Pro PlayStation Button Capcom Cold. Non, tout le reste, ça n'a rien à voir. C'est genre les mecs. Non, effectivement. Donc là, on est revenu pour du Capcom versus SNK. Mais attention, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. C'est la version pro. Donc c'est la version avec Dan et Joe Higashi. C'est ça, totalement ça. Donc vous allez voir, le roster n'est pas pareil. Et regardez tout en haut, Dan et Joe qui n'y sont pas généralement. D'accord. Et il y a aussi Evil Ryu, donc les trois Boogaloo qui sont en bas. Donc tu vois, ça c'est la jauge. Par contre, tu vois ce stage où tu es. J'adore ce stage. Vous allez voir pourquoi j'aime beaucoup celui-là. Il n'y a pas le même roster, il y a beaucoup moins de persos. Mais le truc, c'est que les stages sont fantastiques. Ils sont super beaux, quoi. Fred, je t'aime, tu es la femme de ma vie, je veux t'épouser, Astérix le Gaulois, j'aimerais être ton obélix. As-tu essayé le mode Resident Evil 2 qui est sorti? Non. Est-ce que c'est le mode sous... Nayata, si tu veux faire des dons, normalement, il y a un petit truc. Peux-tu m'en dire plus? Alors, attends, peux-tu m'en dire plus, Luc8390? Parce que je sais qu'il y avait une fan team qui travaillait sur un Resident Evil 2 avant que Capcom annonce le remake. Non, mais je suis pas sûr que tu parles de celui-là et j'aimerais bien savoir effectivement qui est sorti, parce que là, du coup, pour le coup, je suis passé complètement à côté de la news et en tant que grand fan, c'est vrai que ça m'intéresse. Alors, pour Natayata, sache que tu peux faire les dons, voilà, les dons, tu peux. Normalement, il y a un lien en bas où tu as le lien qui s'indique. Si les voilà. Amis, vous voulez participer à l'émission et contribuer, sachez que tous les dons que vous faites ne vont pas dans ma poche. Tous les dons que vous faites, ils vont dans du matos. Bon, ils vont dans la poche, mais ils vont dans du matos. Pour acheter des jeux, des consoles et autres matériels info. Donc allez-y si vous avez envie de contribuer à Saturday Night Player, faites-vous plaisir les copains. Et si je réagis pas, n'hésite pas à remettre ton explication sur Resident Evil 2, parce que c'est vrai que j'essaie de regarder un petit peu, je suis un petit peu moins habitué à l'exercice de mon gameplay, mais voilà. Alors donc tu vois, on retrouve le système que je t'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que chaque perso vaut un certain nombre de points. Ah d'accord, putain là j'aurais pris de là. Là je ne pourrais prendre que Gouki si je le souhaite. Mais si je prends par exemple un perso à 3 comme Bison, ouais. Vega, eh bien j'aurai la place de prendre un perso qui prend une case comme Yuri ici. Yuri, voilà. D'accord, oui d'accord, donc tu peux prendre deux persos. Oui, bien sûr. Donc je vais prendre. Moi j'en ai pris que deux, hein. Mais tu fais ce que tu veux. Ah d'accord, ah monsieur est comme ça.
Ok. Bon, je peux quand même choisir de, lui affecter un certain nombre de cartes. Oui, tu peux, choisir de lui affecter pourquoi ce que pas, tu veux. Pourquoi pas. Et je vais prendre Dan. Et je vais lui mettre 3 cartes. Et on va voir ce que ça donne. Donc les nouveaux, soyez les bienvenus. Eh bien écoutez, bienvenue à tous les petits nouveaux qui sont là. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Attends, est-ce que tu peux... Regardez-moi ce fessier de terrible garde. Pardon, je suis passé à côté du feed Twitch. Twitch, c'est ça? Non, c'est... Oui. Le chat, juste tu veux remonter, parce que je voudrais pas passer à côté de l'explication... Non, il n'a pas encore expliqué, Resident Evil en fait. 2, d'accord. Il n'a pas encore expliqué. Ce stream, donc les nouveaux, bonsoir à tous les petits... Con, vous avez eu ce... Allez. Ah, il est un poil plus lent. Il est un poil plus lent. Ouais, il est un petit poil plus lent. Donc du coup, c'est ce que je vous disais, moi j'aime bien le design des... Qu'est-ce qui se passe? T'essayes un truc là ou quoi là? Ouais, ouais, non mais vas-y, on est pour toi. Non mais vas-y, qu'est-ce que tu fais là? Ça ne marche pas, c'est tout. Je n'arrive pas à sortir les clips que je sortais. Ouh! Tout à l'heure. Mais on va vite changer ça. Ah. Par exemple, j'arrive pas à sortir les milliers de coups de pointe bloqués. J'arrive pas à sortir le... Ouais. Non, putain de chope de crotte de bique là, casse-toi là, Zboubi. Ah, belle esquive. Ouh. C'est finish de merde. T'as un mètre. Finish de merde. C'est une box là. Finish de merde. Ah. C'est bon, Mako, arrête de bugger. Ah, Zelda, ça fait plaisir. Donc là, t'as repris Dan en fait. Toi, t'es un malin. Mmh. Ouais, je suis malin de quoi? J'ai pris pour moquer toi et j'ai perdu l'eau. On va recommencer à jouer simple, hein. C'est plaisir de venir encore, n'est-ce pas? Oui, oui, Miss Dwi, je serai en Corse à Ajaccio mi-mars pour les 24 heures de plus. Voilà. On va manger dessus, merci. Il parle de Terry Bogard. Parce que j'ai fait une pause tout à l'heure sur son fessier. D'accord, que tu n'as même pas vu. Non, je ne sais pas ce que j'observe en premier. J'ai bien compris. Moi, j'observe le cœur. Le cœur? C'est un peu Captain Planet, toi, non? Oui. Ça m'aurait plu que tu le manges, celui-là. Ouais, mais non, pas non plus. Il va se calmer, l'animal? N'oublie pas à crier. Oh shit! Ah. Putain! Ah, ça fait le malin là! Enfin, je t'ai expliqué le mode. Ah, il t'a expliqué le mode, mais on n'a rien vu. Est-ce que Luc, tu peux nous remettre s'il te plaît sur le mode, s'il te plaît? Gros scroll vers le haut, légèrement. Gros scroll. Écoute. Captain Planet. Mon message below, Ninja Walgan. Mais je ne vois rien. Le mental mode, tu incarnes des gens d'Ombrella à Alissa, je sais plus de quelle raison. Et tu trouves tous les jeux de raison, mais tu pleures ta race. Le mortal. Non, un cran. Mental mode. Ah d'accord. C'est intéressant. Écoute, c'est intéressant. Donc c'est un mode du jeu original. Ah, c'est. D'accord. Non, mais turbo. Mais tu verras, les stages sont vraiment classe. Moi j'aime beaucoup les stages hein, sur celui-là, je vais pas le mentir. Aïe. Kapokun. Allez, c'est quoi, je suis joueur. C'est joueur. Ouais, je suis joueur. Allez, en honneur. Je le mets en 1. En honneur de notre ami Argol. Il n'est pas là. Notre ami Argol. Il a battu avec un coup de pied dans les boules. En gros, les boss sont plus nombreux, moins de munitions. D'accord. C'est des potes d'Ajaccio qui organisent le festival. Et écoute, on se verra là-bas. T'as pris quoi? Bon, moi j'en prends 4. Alors, merci. Non, mais non, Camille, ça vaut 1. Donc tu prends 1. Mais à ce moment-là, tu peux prendre d'autres personnages. Ouh, on joue avec les... Tu vois, on joue avec la ratio de base. Tu peux prendre 4 personnages, hein. Et toi, tu vas en prendre qu'un seul, c'est un ça seul. Bookie, il en vaut 4. Tu mets la pression. Tu mets la pression, mais là, on y croit. N'en prends que 2, donc. Hein. Ouais, j'en prends que 2. Ouais, c'est bon. Je pense que ça gâte. Non, je pense rien du tout. Arrête de faire le mal. Tu penses que ça gâte? Non. Si, tu penses que ça gâte. Non, ça va se gâter, mais je pense pas. Tu penses Fight.
toujours un button check. C'est quoi ça? Oh putain! Désolé. Ah voilà pourquoi. Ah mais c'est pour ça! Depuis tout à l'heure, non? Ah tu vois, je viens de découvrir un truc. Qu'est-ce qu'il y a? Que, effectivement, je ne connais vraiment pas bien. Ouais. Il n'y a pas de medium punch. Je vérifie. Écoutez les amis. Par contre, tu as un shuatsu. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est, mais voilà. D'accord. Peut-être que ça explique pas mal de trucs. Là. Ça expliquerait pas mal de trucs. D'accord. Je vais te démonter. Mais je vais te démonter mon petit. Mais putain, que... mais. Ah, d'accord. Oh là 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 là, j'ai rien sorti avec elle. Rien du tout, de malade. Là, j'étais de la pire merde, quoi. Et ne fais pas cet air condescendant, là, juste à côté de moi, ça commence à m'énerver. Pardon. Regardez-moi la tête qu'il a, sa gueule, quoi. Et... putain, j'arrive... Oh, oh, oh. Tant mieux. Problème. Pourquoi? Oh putain, ça m'énerve ça! T'énerve hein? T'énerve hein, comme terre là! Viens! Viens, je peux pas perdre de temps moi! Bonjour Frédéric! Allez! Oh, putain, y'a Luc qui balance juste un... la gloire de mon père là, en même temps qu'on se bat là! Tiens, va là-bas, Gouki là! Toi, t'essayes de sortir le truc depuis tout à l'heure, t'es un malin! Putain, il faut que je reste hors de portée, bordel de couilles! Oh, oh là là! Premier match gagné contre Terry ce soir! J'avais deux berceaux. J'avais deux berceaux. Ça fait partie du jeu. T'aurais même pu en prendre plus! Quoique non, ça gâte, on va aller. J'avais deux berceaux, mais premier. Et regardez-moi, c'était des gaines! Des gaines qui l'ont. On dirait le méchant de Full Metal Alchemist. C'est vrai. Il est dans. Mais arrête, putain, d'appuyer. Oh. C'est fou ça. Oh. Il faut que. Ah merde. Mais arrête d'appuyer. Oui, bravo champion. Merci Jason Lyon. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait random ou pas? Allez, si tu veux. Allez. Random. Ah non mais attends, j'ai flingué le ration en fait. Ah j'ai balrog. Toujours rien. Je suis tellement pas habitué. Ah balrog tu veux dire le... Eh oui. Il va neiger, il va neiger. Vous êtes très très méchant, d'accord. Vous êtes très très méchant. Ah c'est le décor que je voulais. Ah, super. Non mais c'est classe quand même. Ça oui, c'est classe. Nakululu. Allez, on y va. On y va, on y va, on reprend, on repart. Je n'ai plus de doigts, hein, je te le dis. Hein. Là, mon doigt, c'est du sang en fait. T'as vu comme on a perdu l'habitude de tout ça? Ah, mais je pense qu'on avait développé de la corne à 8 ans en fait. Putain, arrête avec ce truc là. Ça là? Ça? Ça, c'est. Ah, ça t'énerve ça. Hein. Attends, ça? Oui, ça m'énerve. Ouais, mais tu sais quoi, t'aurais pas dû me le dire. Tu vas le manger à toutes les sauces. Tu vas boire le. Tiens, mange pas ça là, le punk, le délinquant. Ah, tu crois que la même attaque ne marche pas 272 fois sur un chevalier? Non mais sur toi oui. Oh shit. Ouh là là, mais moi je donne du spectacle moi. Oh là là. Je suis comme ça, je donne la générosité. Moi. Putain. Moi je développe, les vrais savent. Les vrais. Cet homme alors, il est tellement fort, j'ai envie de l'aimer. Je le tape. Oh putain, je me tape tout le mec qui s'arra queue. Tiens, voilà, je te fais un bisou avec mon lombril. Tiens, t'aimes pas ça, hein? Ça t'énerve, hein? Tiens. Électricité. Électricité. Et donc. Oh là 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 là. Ah oui, Shoryu avec Nako, merci, ça nous accueille de me dire ça avec la latence de temps. Il a dit quoi? Les mecs me donnent les... Ah, oh, sympa les gens, bah, écoute, Zalwak, Tintin. Tintin.
c'est moi. Non, Tintin, c'est... C'est à chaque fois que j'ai une grosse fierté, les gens disent Tintin sur le chat. C'est vrai, c'est un rapport avec toi directement ou c'est un gimmick... Enfin, un gimmick, un truc sur internet. Oh, pétard. Je vais arrêter de dire des merdes. Tintin. Tiens. Là, je l'ai bien. Ouh là là, ouh là, t'as mal, là, t'as mal. Oui, il m'a calmé, là, le Léo. T'as mal. Allez, tiens. Ah, en même temps, c'est ah, non. Mais voilà. En même temps. Oh là là. Attention, on va attaquer la deuxième partie de soirée avec la mauvaise foi. D'accord. La mauvaise foi. Donc la mauvaise foi, elle est là, la mauvaise foi, elle est déjà là, elle est à ma droite depuis une heure et demie, là. C'est merde. Ça merde. Oh. C'est pas possible. T'es un winner. J'avoue que la perspective, putain. Oh là là là, c'est fou, oh. C'est fou. Crotte. J'aime Terry qui reprend le Tintin. Ah, attends. Je vous explique, il veut choisir le niveau à chaque fois et j'appuie. Ah, parce que je veux mon joueur, mais bon. Oh putain, c'est fou. Non, mais c'est facile, lui. Sur Guilty Gear, depuis lui, Fred, oui, Tiger dans 187, il y aura du Guilty Gear. Effectivement. Il a 3 gros mots secondes. Ah, j'ai pris random, hein, je sais pas. Ah, attends, hop, random. Non, non, une seule case. Une Camille. Seule case. Okay. Tu valides. Je te redéplace sur le random. Okay. Ah, t'es content, c'est ton ami tout à l'heure. Putain, le mec il sort à queue. Et ben c'est. Non, c'est... Attends, t'as pris un seul truc toi? Au hasard? Au random? Ah, mais non, on peut pas jouer sous con. Et là, il y a des persos de Rival School derrière. Il y a 3 personnages à affronter, ça va être intéressant. C'est bien, mais... Putain, mais... Sérieux, elle m'a sorti aucun coup, la gonze. Aucun coup. Ah non, ça va pas. Ça va pas, je crois... Attends, je regarde. Non, j'ai les doigts en sang. Je voyais un liquide qui... Je trouvais ça très glissant, mais non, c'est mes doigts. C'est ton plasma sanguin. C'est mon plasma sanguin. Et oui, c'est ce qu'il y a dans les... petites verrues. Ok, putain. Il va pas prendre la perfect, quand même. Ouf. Je n'ai rien pu faire. Je n'ai rien pu faire. Bon, je vous annonce, troisième round sera pareil. Hein, ah oui, c'est-à-dire les gens ils veulent voir des personnages. Attends, j'ai perdu mon micro. Ah, t'as micro, voilà. Je crois que... Ah bah oui. Tiens, je t'attaque. Je croyais que t'étais un ami, Bobby. Oh, puis esquive en tata. Ah. Otomaki. Automatique dans le jeu. Shumaku, oh. Ah, le missile humain. Là. La téléportation, je ne sais pas où je vais. La téléport. C'est la première fois que j'arrive à la faire, la téléportation. C'est le coup que tu utilises la main dans Street Fighter 2. Déjà, putain, mais c'est moi ou Dalsim flotte, bordel. C'est fou, ça. Dalsim, il saute, mais il met 20 ans à tomber. Il est comme ça, mais allez, je saute. Oh non. C'est bien, hein. J'ai eu le temps à ralentir, c'est quoi. Mais grave. Ouais. C'est mon super pouvoir. Très très bien imiter les persos de Street Fighter. Alors. Bon, on en est à combien de victoires? Genre, attends, on appuie sur rien, bordel. Parce que toi, t'es Joe le malin. Ah, il y a un niveau dans une salle d'arcade japonaise. C'est très simple. Ah, t'es fou de ma gueule, toi. C'est fou, ça. C'est dur de te foutre de ta gueule et de bailler en même temps. Ouais, Terry, il dose à fond, en fait. Ouais, Jupiter, effectivement. Ah, il dose vraiment bien. Il dose vraiment bien. C'est pour ça que je suis assez content qu'il soit là. Approche un petit peu de vous, mon ami. Je suis assez content qu'il soit là ce soir parce que effectivement c'est un peu l'expert en jeu de baston, donc du coup c'est cool qu'il soit là. Vraiment. Bon, j'ai assez dit de choses gentilles sur lui, t'es l'enculé maintenant, c'est bon, je peux te dire. Tu mets en random là, oui, oui. On va se défoncer tranquillement. Allez. Ah, c'est un 3. Donc là normalement tu ne tomberas que sur un 1. Ah non, c'est un. Non, ben non en fait. Ah bon? Je sais pas, peut-être que tu peux avoir la chance de tomber sur un Akuma pour une case. Moi j'aime bien les petites cinématiques avant. Ouais. Bon, Power de dingue. Ouais, Power Ninja Turtle. How are we? C'est moi ou il ne fait que des cabrioles ce perso? Ah mais attends.
Oui, t'appuies sur le triple. En fait, c'est triple derrière. Ah, d'accord. Oh, oh, oh. C'est bon, comme une octobre, juste avant, on va se faire dire. J'ai pas taqué pour toi. Eh oui, Oh, shop de l'espace. Oh, oh, deuxième Mino. Shop de l'espace, là. Oh, Mino. Tiens. Tiens, mange ça. Are you okay, tiens. Are you okay? Are you okay, Annie? Are you okay, Annie? Are you okay, Annie? Are you okay, Annie? Tu as été tapé. C'est pas bon, non, là. Ah! T'as un malentendu? Je pourrais essayer de faire des trucs quand même. Ouh! Ça, c'est bon, ça! Il a des chopes qui est repris dans ce cas. C'est vrai? D'accord. Et je trouve ça super vrai. Qu'est-ce qu'il est classe ce coup, mais il est ouf! Oui, il est super classe. Super cute, il tourne sur lui-même, il te rabat. Oh là là! Moi, je trouve ça bien. Moi, je trouve ça beau. Moi, ça me plaît. Moi j'aime bien le pinot de Spolette, j'aime quand c'est beau, j'aime quand c'est dur, j'aime quand c'est doux. Allez, lâche ta garde. Allez, tiens Terry, meurs. Pourriture de communiste. Allez, c'est bon, on y croit, mort, Yosh, c'est parti sur le journal. Merci Yosh. Allez. Premier coup pour moi. Deuxième coup pour toi. J'ai juste... Tiens. Tu as compté tous les coups comme ça pendant tout le match. Hein, oh, t'es calmé, toi. Tiens, portée de quelqu'un. Ouais, moi aussi, j'ai une portée de coups. Portée de caca, là. Oh, sérieux. Bon, oh là 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 là. Jason Leon, vous préférez 16 bits, 32 bits ou 64 bits? Bah, ça dépend pour les jeux. Ça dépend de quel jeu. 16. Et moi aussi j'aime bien 16 buts, effectivement. Ouais. 16. Allez, eh ben écoutez, on continue, on va continuer à se faire démonter puisque ça fait du bien. Oh, je suis en train de glisser sur la mort en direct. Alors. Et maintenant on va se faire celui-là parce qu'il est marrant de voir. En fait, c'est un stage à Metro City. C'est la ville de dont le maire est. Et Mike Hagar. Exactement. T'as vu, je me rappelle même du prénom. Il est fort. Il est très très fort. Ça dépend du nombre de nanas dans le coin. Ange d'âme, ça, là là, je reconnais bien l'humour d'Ange d'âme. Allez, c'est parti. Donc Capcom. Pourquoi extra? Donc on s'en fout. T'as mis en random là? Ouais. J'ai re-eu Rio. Attends. Ah, vice. Ah putain, May. Allez. Gookie. D'accord, c'est Emile Rugal. Quoi, ouais, une bonne tête, la Zangief, trop fort. Ça, ouais, c'est vrai, le sourire elle est comme ça. Ça, j'aime bien. Oui, mec. Ça va, les gars. Je suis trop une de votre cadence. Je suis trop bien. Moi, je vais pas. Avec Super Punch Out. Ouais, il y aura du Super Punch Out aussi, je pense. Ça, toi, t'es un dieu, Super Punch Out. Là, il faudra vraiment qu'on joue à ça. Je vous dis un truc, sur Super Punch. Ok. Et on parlait d'AVC tout à l'heure, ça va Mets-toi par terre, il faut vraiment que tu... René, mon petit René, sur Super Punch Out, dans ma cartouche, j'ai des records de temps. C'est vrai? Ah oui, tu vraiment. Tu me crois? Oui. Putain, double coup. Allez. Bon, attention, attention, right kick, attention, on est le oh, on est tout, bam, allez, hop. Tu sors de là, toi. Oh, c'est bon, il y a de la chope là, ça va pas du tout. Rulia. Regarde ce jeu d'ombre dans le mur derrière. Ouais, mais déjà, ça, ce bâtiment derrière, on le voyait. Moi, je trouve ça énorme, quoi, c'est fou. Tu dois la jouer avec la nouvelle chute, derrière. C'est vrai. C'est peut-être ma chance, déjà. Attention. Ouf. Dis-moi des situations. Dans lesquels tu jouais en versus, mais où tu devais cacher ta manette.
devais, ou en tout cas tu cachais ta manette, Tu viens en jeu? Ouais. Ah mais merde, je sais pas. Pourquoi t'as un truc à me dire? Ah oui. Non mais ça n'a rien à voir avec les jeux de baston. Ouh, c'est une bouche. Ça n'a rien à voir avec les jeux de baston, mais je me voyais oui, non, là, ça n'a rien à voir dans le retour. Mais écoute, quand tu jouais à l'époque au FIFA, au PES, et qu'il y avait un penalty. Ah oui, pour savoir la direction. Ah, c'était puis... trop bon. Et même dans, moi... dans Virtual Tennis 2. Ah, mais je te promets, mais moi je pouvais mettre un classeur entre nous pour pas voir quoi. C'était. Oh là là. Et j'étais comme ça. Regarde pas. Tu tirais ton penalty comme ça. Ah merde. Oui, oui, c'est vrai, je me rappelle, Virtua Tennis. Oh putain, Virtua Tennis, ça c'est un jeu qu'on va se faire. Ça, je vous le dis, c'est un jeu qu'on va se faire. Hein. Là, ah, mais de toute façon, enfin. Ouais, ouais, j'aime bien que je connais vraiment beaucoup de jeux. Ah, je t'ai bien évité là, t'as vu? C'est pas, mais. Tu sais que j'avais vu des tournois japonais où beaucoup de personnes connaissaient. C'est vrai? Oui. Ouh, il est passé. Là aussi, parce que... Et toi, que penses-tu alors de Street Fighter 5? Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu, et effectivement, je suis d'accord quand tu dis qu'il a été simplifié. Mm-hmm. Qu'il n'y a plus de perso à charge, donc c'est assez particulier quand même. Ouais. J'ai remarqué ça sur des persos genre Nash, en fait, pour le Sonic Boom, des comme ça, en fait, qui n'était plus en charge. Et après, c'est pas plus mal, on va dire. Mais le truc, c'est que, je sais pas, moi j'ai l'impression d'avoir un jeu pas fini en face de moi, en fait. Pas fini sur... Je parle pas au niveau du gameplay. Je parle au niveau de... En fait, c'est très simpliste, je trouve, au niveau du design. C'est très simpliste. C'est un jeu qui était next-gen, mais qui est pas beau au maximum. Parce qu'il doit tourner en 60 FPS. Tu dois jouer. Donc, non, mais c'est pour ça, hein, c'est Capcom qui l'a dit lui-même. Bah moi c'est toujours après, c'est tout le coup des season pass, des... Oh, on va vous mettre des persos après, oh des costumes alternatifs après, putain mais les mecs, mais c'est tout un jeu, alors je sais, mais comment ils faisaient en fait à l'époque Capcom quand ils sortaient un Super Street Fighter, alors on va me dire, ah non attendez, Capcom ils ont toujours fait ça, Street Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo, Super Street Fighter 2, ok d'accord, mais c'était des jeux, je sais pas leur trouver des excuses. C'est vrai que, enfin ils ont toujours fait ça. Ils ont toujours fait ça, mais je pense que le DLC était un peu la goutte d'eau, quoi. Si tu veux, après, au début, on avait un format physique et on se rendait pas compte. On avait encore l'impression d'avoir un autre jeu, mais on se faisait la remarque, on se disait c'est pareil. On voyait pas ça fait partout, si tu veux. Donc on l'acceptait, on se disait tiens, eux font comme ça, pourquoi pas. Mais on était moins aussi, il y avait moins l'esprit gaming, être toujours au top, être toujours sur le dernier cri. C'est-à-dire que t'allais chez un pote qui avait un Fighter de Turbo et un autre qui avait le Super Street Fighter 2, tu t'éclatais autant. Ouais. Il n'y avait aucun souci. Là, tu prends un Street Fighter 4 et un Ultra Street Fighter 4, pour un connaisseur, il va te dire non, c'est hors de question, je vais pas jouer à Street Fighter 4 Vanilla. Moi, ouais. je veux l'Ultra. Tu vois ouais, je comprends. On n'avait pas ce raisonnement avant. On n'avait pas ce raisonnement, en fait, bizarrement. Pour faire durer le challenge dans le temps, à Sano, moi, j'en trouve pas d'espoir. Côté DLC, il faut arrêter les conneries maintenant. Quoi. Je crois que la pire arnaque, même si c'est un très bon jeu, la pire arnaque c'est quand même le Street Fighter 4 quoi. J'ai eu droit à 3-4 jeux Street Fighter 4. Attention, là on parle pas de 4, on parle pas de Street Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo, Super Street Fighter. Parce que moi Super Street Fighter pour moi c'est un jeu à part, c'est pas un Street Fighter 2 quand même quoi. Même si c'est le 2, il y a quand même des persos en plus. Ok mais là avec 4 montures pour Ultra Street Fighter 4 quoi, pour Street Fighter 4, faut pas déconner. Il y a Street Fighter 4, Super Street Fighter 4, Street Fighter 4 Arcade Edition à fond de la nuit et Ultra Street Fighter 4. Ça c'est clair. Bonne nuit Tiger 987. Allez, Capcom. On nous demandait tout à l'heure si on jouait à des jeux. Si on faisait que des réponses, mais on jouait à des jeux récents. Alors, ça dépend. Oh putain. Je joue à du récent aussi, mais je fais pas trop de stream dessus. Moi. Et beaucoup plus de rétro pour les streams. Tu sais à quoi je joue moi en ce moment? Je vais être très surpris. Et je m'éclate dessus. Hein. Alors, je suis surpris. Star Wars Battlefront. Mais il est très sympa. Je me régale, je joue en ligne. Je savais pas que tu l'avais Star Wars Battlefront. Oui. T'en as acheté combien de jeux sur PS4 toi? On me l'a prêté. J'en ai acheté deux. Nous sommes dans le Team Sekai, donc nous sommes dans un quartier. J'ai acheté que deux jeux en fait. The Witcher et là, Street Fighter 5, c'est tout ça. Et je me suis fait un petit peu de tir de C'est vrai, t'aimes bien ou quoi? Écoute, j'ai à peine pu le lancer. Mais
Ah, c'est vrai que les gars, qu'est-ce que tu dis à l'époque dans le jeu? Qu'est-ce qu'il dit dans le passé sur ce genre de jeu? Je mettais pause au moment où la fille avec les fesses à l'air, j'étais jeune. Non, mais tu n'étais pas jeune, tu étais comme lui. Et donc, putain, gros régal sur Battlefront. Alors, si j'arrive un peu après la guerre, parce que le jeu, le hype est un peu retombé déjà depuis, mais. Non, je parle. Il y aura des jeux multijoueurs en ligne pour jouer contre les viewers. Ça m'étonnerait, Bibi. Est-ce que je ne ferais pas. On va mettre la Dreamcast en. Et on fera du compétiteur online. Un jeu qui permettait de patcher, non? Ou c'était dans lequel jeu. Non, c'est ça. De patcher. De pouvoir jouer à des jeux. Jap. Avant que le CD boot, non? Il y avait pas un truc avec. Non, il a GameCube, quoi. Peut-être, peut-être, ouais. Le Fantasy Star 1 et 2, qui était sur GameCube, permettait de charger les jeux des idos directement de votre PC. Tu te rappelles? Tu te rappelles le truc qu'il y avait avec King? Non, Burger. Ok, déjà de la merde. Vas-y, demande. On savait pas. Voilà, c'est ça. En fait, à l'époque, quand il est sorti, on savait pas ce qui se passait. On savait, puisque ses vêtements sont arrachés au. Oui, à la fin. Mais au début, le King, on croyait que c'était un mec, parce que le design. Oui, sinon, ça s'appelle The Queen. Ouais. Allez, God Rugal avec son petit chat. C'est un Rugal. Et tiens, en parlant de Fantasy Star Online, alors je sais pas ce que vous en pensez, et j'essaierai de lire votre réponse. Oh, mais. Ben... T'as dit quoi comme handicap, toi? J'ai l'impression que tu me fais très mal depuis tout à l'heure. Le jeu me rappelle beaucoup Xenoblade Chronicles sur Wii U, que j'ai donc, et ce jeu-là, pardon, j'ai un peu à la merde, me rappelle Fantasy Star Online. Je sais pas ce que vous en dites. Mais en tout cas, c'est mon avis. Qu'est-ce que t'en penses, toi, par exemple? Lequel? Xenoblade Chronicles. Ah, mais tu l'as jamais testé? Non. J'ai jamais fait Xenoblade Chronicles. Et donc à l'époque, quand on a appris sur GameCube qu'on pouvait craquer les jeux, l'adaptateur réseau a vu son prix s'envoler. Parce que l'adaptateur réseau n'était pas resté dans la GameCube de base. Ouais. Il se pluguait sous la console et son prix s'est envolé. Donc il y avait deux adaptateurs réseau, un haut débit et un bas débit. Mais du bas débit, très bas débit. Donc suffisant simplement pour jouer en ligne à l'époque à Fantasy Star Online. Et Mario Kart, je crois aussi que c'était pas. D'accord. Mais il y avait le haut débit. Et donc l'adaptateur haut débit, justement pour toutes ses vertus, était absolument introuvable et à des prix hallucinants. Écoute, en tout cas, j'ai jamais eu l'adaptateur pour la podcast, ça c'est clair. C'est normal, il y a déjà la RGT en train de. Tu peux déjà brancher un câble. Tu peux déjà, oui, brancher un câble, c'est vrai, effectivement. Faire une cache normalement. Là, live. Enfin, c'est la. Oui, c'est pour le câble Ethernet en fait. Allez. Ah, on bon, en c'est, un, choses, hein. C'est un peu mort, j'ai l'impression, sur le chat là. J'ai l'impression que ça, c'est un petit peu mort, les gars. Réagissez. Ça va. Réagissez. Xenoblade, c'est un jeu super long, mais je suis d'accord, c'est un jeu ultra long. C'est un jeu. Oh là là. Je ne vois plus le bout. Donald va que sur mon chéri, très peu avec moi, juste pour dire que j'ai bien félicité. On parle de Charles, hein, je pense. D'accord. Voilà, voilà deux, allez, boum. Yuri, le mec, à qui manque des dents, bison. Yuri, comment? Ah, vous êtes là, ouais, écoutez, ouais, je vous entends pas trop, moi, hein, c'est pour ça que je dis ça. Tout le monde debout. Tout le monde debout, levez-vous tous, là-bas. Je pas avec moi. Oh non. Vous chantez pas ça? Non. Ah là là. Allez, c'est parti. Oh là là. Oh putain, là si Sano était là, là il dirait. Oh c'est mon perso là les gars. Tu veux Nagi? Ouais. Allez, okay. J'aime pas ce côté là. Genre. Oh là là. T'aimes bien l'effet là, non derrière? Ouais. Arrête de faire le mec super désagréable là. Je veux pas que je sois agréable quand même, non, oui. Tiens, coup de poing de Pégase non identifié là. Ma tarte au chocolat et maman dit toujours qu'il faut pas parler à la bouche pleine, tu as bien raison, l'artiste du net. Bonsoir du Québec, bonsoir Ktoukman. Ouf, j'ai plus Golgot 73. Ah non, c'est toi qui l'as pris. Ah non, j'aime pas. Tiens, je t'ai explosé. Tiens. Et...
Tiens, au liquide. J'ai pas compris. Non. Si, c'est un champion de boxe, liquide. C'est celui à qui il a mangé l'oreille. D'accord. Pas Balrog, hein, vraiment. Mike Tyson. Bon, j'aurais enlevé un petit peu avant quand même. Allez. Sans IQ, bordel, ces écarts de tour avant, point fort au corps à corps. Pardon, je suis désolé. Ah là 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 là. Au con, un combat de boxeur. Allez, mirror match, quoi, comme on dit. Un jargon. Au percut, c'est à Jimeno Hippo là, attention. Ouais. Oh, il fait un gros sauveur, tu sais. Oui, tu vas monter Balrog, il faut. Mais on est pas dans la même catégorie, t'es galé, c'est pour le manga. Putain, alors toi, comment t'es là? Tiens. Comment t'es, tu veux jouer pour? Boum! Ah mais alors toi, commenter? Commenter! Commentez-le! Allez! Alors, je voudrais dire que... Oh putain, l'homme qui vient... Regardez-moi comme il fait bouger ses pecs. Ouais. Nous sommes d'accord... Alors lui, son t-shirt. Ouais, c'est... T'as une belle couleur, disons. Il ressemble beaucoup à, disons, du 2, hein. Oui, alors que son design a changé. Dans Street Fighter Alpha 3, il était Golgoth 73000. Oui. Je savais pas qu'il faisait ça, lui, tiens, dedans. Si, il a plus la torche. On va voir les trains. Alors moi je vais donner du spectacle, hein. Ah non mais attends, tu réagis comme ça. Tu vas voir, tiens, les plus sorties, tu vas voir. Ça. Ah. Oh, d'ailleurs c'est qui était ultra safe dans ce Fighter 4, c'est absolument insupportable. Oh mais non, mais non, mais non. Tiens, je sers que des ça là. D'ailleurs, je crois qu'il n'a replus la torche dans le 5. J'ai pas encore eu l'occasion de trop le tester, je dois pas dire de bêtises, mais il me semble que. Ouh là là! Tout va se jouer là, les amis! Tout va se jouer! Ah oh pétard! Oh pétard, pétard! Oh, c'était dommage! C'était dommage. Putain, il voulait la sortir. Celui-là, il était bon. Ah, celui-là, il était bon. Ah, ça je suis content. Dégoûte, là. Ah, je t'ai attendu, là. Un peu ta seule taille, là. Hein? Je ne suis que déception et tristesse. Mais ça va, hein, ça va. Le t-shirt. Mais non. Oui, je commence juste sur O-Gaming, en fait. Allez, il est 22h40, les amis. D'ici une quinzaine de minutes, on va mettre la pub. Et ensuite, on va attaquer le petit Bomberman. Et on va se reposer un petit peu les pouces, hein. Là, on va se reposer les pouces parce que là, je sais pas si vous voyez. Montre ton pouce, Terry. Le mien est bleu. Oh, la base de la base d'incrustation, on regarde. C'est ça. Parce que en fait, dans la Dreamcast, il y a un tout petit trou sur la croix directionnelle. Alors, je vais essayer de caler, est-ce qu'on le voit? Il y a un tout petit trou et du coup, mon pouce prend la forme de ce petit trou, quoi. À force d'appuyer. Oh là 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 là. Ah, il savait faire des manettes, il savait faire des manettes. Non, alors putain, je suis pas d'accord. Il savait pas faire des manettes. Pas d'accord, la manette Dreamcast, elle est ignoble quoi. Elle est ignoble. Ah, mais on a les pas d'arcade, tu vois, la prochaine fois, on portait les pas d'arcade. Ah ouais, moi, oui. Ouais, ça va. Je suis heureux, moi, si on a pas d'arcade, je suis heureux. Bon, bah ça va. Allez, on continue. Alors attends, le tac, tic-toc. Allez, l'accident, parce qu'il est sympa. Laisse la démo de ce stage dès le début, tu vas comprendre pourquoi. Oh, d'accord. Allez, c'est parce que t'es toi. Ah là là, que d'amour. Que d'amour dans ce live. Yes. Ouais. C'est genre. Ouais, quand même, ouais. Alors pour la blague, c'est vrai que. Alors je sais pas si il va y avoir des termes néophytes dans le lot, mais. À l'époque, c'est vrai qu'on prenait Dalsim, on était pas content, hein. C'était pas le perso qu'on préférait. Donc il y avait vraiment des persos un peu en dessous. D'ailleurs, le premier. Il est fort, il est très fort. Et c'est énorme, et donc ensuite après on passe sur le stage avec l'accident. C'est signé le constat. C'est ça. Ça va, c'est pas un accident là, c'est la guerre, c'est Akira là, non? Oui, c'est ça. Ah, oh, ta select technique d'enculé. Oh, sérieux. Il est malin le bougre, tiens. Tiens.
Oh non. Tu sais que cette technique, elle est un peu reprise dans Street Fighter 5. Il peut maintenant... Il peut maintenant... j'ai vu, Dalsim, il peut embraser le sol. J'ai pas de sujet, tu viens de mettre en shuriken, là. T'as utilisé mon finishing move. Mais c'est clair. Sur moi. Mais grave. D'accord. Je vois, j'apprécie, ici, ça. On va, c'est quoi le perso là? 3, c'est ça. Tiens. J'ai jamais compris la dégaine. Yori qui est un peu le Shoto aussi, hein, la version Sinkab. La dégaine de Yori? Ouais. Dégaine de Yori, là. Non, hein. Tu dis. Dégaine improbable. Je sais pas s'il va servir un cocktail. Brian, t'as la gagne dans ton cul. Je sens très bien, hein, ça épouse bien les formes des mains, c'est moins mal que dans le genre de jeu. On parle de. J'espère que c'est pas d'arcade. Allez. Ah, tu tiens mieux la manette? Alors, je peux pas te dire ça. Qu'un stick arcade, je peux pas te dire ça. Pour un jeu de baston, je peux pas te dire ça. Alors, le stick arcade est. Tu sens mon sens! C'est ma gueule là! Je vois qu'il y a des connaisseurs ici! Du sang, mon sang, oh. Arrêtez, je perds, je suis déstabilisé, d'habitude je gagne. Non, je déconne, qu'est-ce qui se passe? Donc oui, suivez-nous sur les réseaux sociaux, suivez-nous sur ma page. On demande si quelqu'un fait les comptes, 7-1 pour moi. Ah oui, c'est marqué 7-1, effectivement. 7-1 qui te rappelle, bien évidemment. 7-1? Ouais, ça te rappelle. Ah oui, oui. Allemagne-Brésil, Coupe du Monde. J'avais pris le Brésil après 7 buts. Hein. 7 buts, ça fait. Ouais. Allez, Naku Ninja Turtle là. Putain, il va me défoncer avec un seul perso là. Ah d'accord. Tiens, attaque de l'aigle, frère des ours. Le truc à la barre. Oh là là. Mais pourquoi mes coups quand je saute. Moi il y a un truc que je ne comprends pas dans la panique de merde. Pourquoi quand on saute en même temps mes coups ne portent jamais, c'est sur toi qui gagne. Parce que je time mieux, je. Ah oui, tu times mieux, putain, c'est fou ça. Mais attendez. Il y a un moment où faut appuyer sur le bouton. Ah, il y a un moment où faut sauter. Il y a un moment précis. Parce qu'il faut que je vous dise un truc, à propos de Frédéric. C'est que ce gars-là, il a toujours voulu être fort au jeu de baston. Je lui ai toujours dit, écoute, on fait une session, je t'apprends, on prend ça. Il ne l'a jamais fait. D'ailleurs, pour Street Fighter 5, ne compte pas sur moi. Genre, j'ai rien te le dis. Je te le dis. Et voulez que je lui explique les techniques, les focus, tout ça. Jamais, jamais il a pris le temps de prendre un perso, de le travailler, et voilà. Et maintenant, il est toujours, il y va. C'est ça, c'est ça. Je te le dis. Je te le dis. Je t'ai joli. Je te le dis quand même. Allez. Les mains en l'air. Allez. Bon, deux persos à un. Salut Paul Luciole. Kikou. Ok, merci. Kikou, ça va. Allez, on continue. Mais même moi, je reconnais des noms, là, Paul Luciole. Regardez-moi ça, c'est Sprite de malade, on dirait du Minecraft. C'est pourquoi elle s'appelle Vice d'ailleurs? Non. Mature, l'autre. Ouais. C'est le maître. Oh là là! Ça donne son beauté ça! Ah oui? Oh, reviens un peu toi! Viens ici! Turtle Fly là! Quoi, on n'a pas le droit de se mettre un peu en. En retrait là, la tablier surtout là. C'est bien, mais déjà c'est des abeilles. Hein. Oh, ah mais laisse-moi! Ça fait quoi d'être dans le rôle de la proie et plus du chasseur? Donc oui, effectivement. Oh! Ouh! Ah! Quand on a. Ouh! Ah, quand on a. Putain, c'est vrai, c'est vieux ça! C'est vieux ça! Oui, je me fais violer tout à l'heure, c'est pour ça que Kéros ne reviendra plus dans l'émission. Tu blacklistes ça. J'ai blacklisté de tuer mon ami, alors... ton ami. Je ne me fais pas violer. Quand j'ai déjà été l'autre, trop facile de battre frais, ça nous va aider. En fait, sur le chat ce soir, alors moi ça... Attends, je vais juste mettre sur pause, moi ça me fait délirer. Mais sur le chat ce soir... Non, y a pas de pause. Regarde le connard. Sur le chat ce soir, il n'y a que des gens qui me connaissent. Il n'y a personne de gaming.
J'ai l'impression que en fait, je suis sur mon propre Twitch à moi, je ne suis pas sur Ogaming. Tiens, toi, putain, mais t'es un bâtard, toi. Ah oui. Tiens, moi, le truc, hein. Oh non, par Dandéo, là, c'était un peu trop loin. Dandéo, Dandéo, Dandéo. Allez, d'accord. Putain, mais oh, mais. Ah, voilà! Allez, mange! Oh, mais tu m'agaces! Mange tu m'agaces, l'animas! Tu m'agaces, l'animas! C'est ce mode de jeu auquel on joue. Ça s'appelle un FTD. Un petit thème. C'est-à-dire? Premier carré qui arrive à l'histoire. Joli! Oh là 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 là. Oh mais non, j'ai relâché ma carte de merde. Non mais je t'ai gratté surtout, t'avais plus rien. Ah les merdes. Oh là là. Oh là 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 là. Bon ça fait rien, ça fait un chuchot. Ah là 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 là, c'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est dur mais on va y arriver. Qu'est-ce que... 2-1 pour le Oh Maris, là là, Cavani, Cavani, Dana, c'est la fin, fin du temps réglementaire, ils ont gagné. Oh là là. J'entends les Parisiens de là. Ah là, à Paris, ça doit être la fête. Hein. Non mais en Fred, on se trouve tout de suite un peu moins nul. Là. Écoute, Zelwak, c'est très méchant, mais tellement vrai. Est-ce que tu vas dire merci à ce gentil miss? Mais bien entendu, je vais dire merci. Ah, n'oubliez pas, les amis, si vous voulez faire des dons pour la soirée aussi, il y a la barre de dons en bas. Allez-y, si vous voulez cliquer, si vous voulez envoyer. Pour l'instant, notre meilleur donateur ce soir, c'est... je ne me rappelle plus. Non, je ne me rappelle plus. Si, c'est Necro76 avec les 5 euros. Merci à Necro76. En même temps, le suivi de la télé pour que tu perdes avec Clyde Fred, il dit trop de gros mots, mais c'est totalement faux. C'est totalement... Ça, il était là pour ça. Hein. Non, 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 pas du tout. Il me fait pas peur. Alors, je l'ai pris. Est-ce que vous voulez que je dise Tintin? Je crois qu'il est arrêté. Ouh! Putain, toi aussi? Ouais, moi aussi j'ai un trip. Hein. Oh là là. T'as eu le Yori avec des yeux ronds. sans yeux, c'est un coup en fait. C'est ça, c'est ça. Des orbites. La partie totale. Allez, je pense que ça sera notre dernier combat avant la pub. Allez, viens. Tu veux. Tu veux quoi? C'est comme ça que tu. Je joue la deuxième victoire. Pas mon boucané toi, parce que là, là si tu commences à voler de partout en appuyant sur les tripes, là t'as vraiment tout. Mais j'ai envie de te le claquer celui-là, tu sais quoi, je vais faire tout le match, et puis là je pense à l'homme. À vrai. Ah voilà, voilà, wonderful, tu vois, même l'ordi mon courage. J'en peux plus super, que le... Oh comment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un truc à faire ou quoi là? Peut-être, maybe, call me, maybe. Ok, merci Terry, maybe. Maybe. Tiens, reste par terre toi. Maybe. Pareil, encore là. Ouh. Oh shit. Où j'ai fait du sens. Ouais, tout à l'heure. Oh mon nom, tête de gondole, je vais lui faire si gagne, je pars de la Suisse et je vais chez toi te donner un cookie. Quoi? Je vais un cookie ou pas? Je vais te faire. Non, non. Joue comme tu dois jouer. Ah, par contre, ils sont moins cardiaques, les Américains. Ouais, ça va! Oh non, sérieux. C'est quoi cette tête, Terry, t'es à côté de toi? Je vais vous hypnotiser, bordel de merde. Bon, défaite, tu vas perdre. Oh là là là, oh, il a placé le mec, il a placé quoi. Bon, allez. Ah, j'arrête. Oh! Attends, tu as enlevé mon.
débranches la manette. Fais attention, tu débranches la manette. Ah! Bien joué, bravo. Merci. Merci, merci, merci. Oh mon dieu, j'en ai perdu mon micro quoi. J'en ai perdu mon micro. Oh là là là. Merci Socro66, merci, merci. Vite, un screenshot. Mais oui, c'est le moment, il fallait faire un screenshot là, putain. Oh mon dieu, oh, j'avais la pression mon gars. Je crois qu'il y a un Suisse qui doit m'apporter un cookie. Oh, et en plus avec le même nom de perso. Toi, d'ailleurs. Il est déjà arrivé. Il a... Merci ah beaucoup. Ah là là. Merci beaucoup. Putain, ça... Ouh. Ah, c'est chaud quand même. C'est chaud, j'en ai perdu un pouce, tiens. C'est clair, c'est clair. Oh là là. Oh là là, bon. Un petit peu, parce que là, j'ai mon petit palpitant là qui... Ouh. Ouais. On va finir là-dessus. C'est vrai, ça va. On va finir cette deuxième partie de soirée. Enchaîner la deuxième partie. Enchaîner sur... allez hop, je fais mes affaires. Jason, je t'attends, bienvenue à la maison. Mon chat a été choqué par ce round, et effectivement, moi-même, je suis totalement choqué par ce round. Allez, recommence. Non. Attends, on sait jamais. Mais en tout cas, il peut le dire, j'ai réussi. Voilà. Il a réussi. Voilà. Tu peux le dire ? Tu peux le dire. Il a réussi. Merci beaucoup. Bon les copains, nous on se retrouve après les 5 minutes de pause, on reprend avec de la Super NES. De suite après, alors attendez 2 secondes, hop là. C'est pas le. Il y a un Bomberman sur Dreamcast, non ? De quoi ? Il y a eu un Bomberman sur Dreamcast. Il y a eu un Bomberman sur Dreamcast, mais c'est pas ce Bomberman là qu'on va faire, c'est le Bomberman. Non, c'est je sais, normal. C'est le Bomberman sur Super Nintendo, Bomberman 5, auquel nous allons jouer. Lui qui est dragon. Voilà, c'est ça, ce lien avec les petits Yoshi. Enfin, ils arrivent, ils étaient déjà avant, je crois. Mais... Oui, ils sont sur la version PC Engine. Donc là, on va se faire une petite heure, voire moins, on va voir sur Bomberman. En tout cas, les copains, restez après les 5 minutes de pause, puisque de suite après, il y a Bomberman. Ça va être du Terry contre Fred. On va voir un peu qui sera le meilleur, même si j'ai des doutes sur mes capacités à pouvoir gagner contre Terry. Nous allons voir ça et je vous dis à de suite pour du Bomberman. À de suite, les copains. Ah, ça marche. Ouh. Oh là 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 là, ça marche. Terry, nous sommes en ligne, bordel de merde. Bon, rebonsoir à tous les copains, rebonsoir à tous et bienvenue donc pour cette première de Saturday Night Player donc sur OGaming TV. C'est moi, Fred of the Dead, et ce soir, je suis avec mon acolyte de toujours, Terry, qui est là pour me poutrer à des jeux de baston. Je le déteste, ce n'est plus mon ami, dorénavant. Bonsoir à tous les petits nouveaux qui sont revenus. J'ai l'impression qu'en fait, les gens sont venus après le match de foot. Donc voilà, ils sont là, je vois des nouveaux qui arrivent comme ça. Fred, ton coiffeur est mort ? Non, j'essaye de faire une coupe des forbans, qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je valide. J'ai pas le droit d'avoir une coupe des forbans ? Non, c'est interdit par la Convention de Genève. Bon, les copains, on arrive à la troisième partie de soirée. Et pour cette troisième partie de soirée, après Capcom versus SNK, enfin, vous verrez, dans Saturday Night Player, ça va revenir à chaque émission, tous les mardis soirs. La deuxième partie de soirée sera du Bomberman, voilà. Du Bomberman avec la personne qui sera avec moi, voilà. Donc du coup, Terry qui regarde un match de foot, c'est pas possible ça. Je regarde le résumé, je voulais voir les buts. Voilà. Ah, merci Softy, mais ouais, t'es bien coiffé. Merci Softy, voilà, merci à toi. Donc ah, salut là, là. Les copains, on revient cette fois pour du Bomberman 5. Attention, nous allons voir qui de nous deux sera le plus fort ce soir. Are you ready, motherfucker? Toujours. J'entends les phrases. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, les copains, et bienvenue. Forever and ever, forever and ever, and ever, and ever, ok? Together. Donc, putain. Oh, je suis parti 2 secondes, tu m'as mis de la merde sur mon overlay. C'est fou ça, hein, c'est fou ça. Donc salut frère, bah salut Softy. Donc ouais, salut les copains, on continue. Je ne sais pas du tout, je ne sais pas où tu as mis, tu étais sur quoi là? Battle mode. Bah alors,
Non, c'est pas single match alors. Si, si. Allez, un single match. Match célibataire. match célibataire. T'as gagné le plus fort, merci. Alors, attends. Avant de 60 minutes, tiens, te voilà. Man. Y'a Argol ce soir ? Man. Comme. Donc, on se joue. Est-ce que tu veux au début, on va essayer de défoncer l'ordinateur et ensuite après on snipe. On se défonce. Attention, on doit. D'accord. Qu'est-ce que tu veux faire ? Est-ce qu'on joue avec l'ordi déjà ou pas ? Question. Bah oui, on joue avec l'ordi. Ok. Cause the devil is the loser. Non. Alors, moi je vais prendre. Je vais prendre le pirate. Allez. J'ai oublié que c'était le A. Ok, donc là il faut choisir le troisième. Ouais, il faut choisir, allez. Il y en a qui ne ressemble pas. Non, ça va, je suis en vacances donc c'est bon. Il faut que tu choisisses un autre perso, Kiki. Ah, je choisis l'ordinateur. Ah, vas-y. Là, je prends moi. Et. Allez. Allez, hop, c'est parti. Comme level, ok, c'est bon. Hop. Allez, on choisit le premier, normal. Vas-y, regarde un peu les stats. On commence au premier, on finira sur. Mais tu vois, en fait, c'est ça qui me désole un petit peu. C'est quoi ? Qu'il n'y a pas les stages du Super Bomberman, le premier, avec le power stage, speed stage. Ils y sont pourtant. Je l'ai pas vu. Allez, attention, c'est parti. T'es où, toi ? En haut à gauche. Eh ben, je suis une merde, je viens de me faire tuer parce que je croyais que j'étais en haut à gauche. Mais non, tu vois. Oui, par contre, tu peux viser quelqu'un d'autre. Hein, tu seras gentil. Bâtard. Oh! Oui, t'as raison, j'ai visé quelqu'un d'autre comme mais ça. Mais non, mais détruis-moi, tu rigoles, toi. Mais non, mais t'es malade ou quoi? Je vais pas te détruire, toi. Et... Tiens! Allez, au revoir, je reviens dans la partie, ça y est! Oh! Pas que t'es mort. Putain, j'ai le Yoshi qui est avec son petit truc, là. Je me suis décédé tout seul. Sérieux? Ouais. C'est comme Bobby là. Non. Oh mais casse-toi là, il m'enlève tous mes trucs là. Je ne jamais. Merci Selvog pour ses 6,36€. Merci beaucoup. Putain, défonce-le lui. C'est pas moi qu'il faut défoncer là, c'est lui là. T'es où? Pas là. Ah mais c'est toi sur le dino. Ah voilà. Ok Mino, première victoire. Première victoire pour moi. Donc maintenant je vais t'aider pour toi. Alors si j'ai pas entendu, on est d'accord, j'ai pas rêvé, il a bien dit qu'il était en vacances. Oui, je suis en vacances, mais je suis en vacances et je m'occupe de la petite. Et en fait, je pars jeudi, Argol. Donc c'est pour ça que je peux pas aller chez toi, effectivement, je suis désolé. Donc c'est pour ça que je ne peux pas aller. Tu dis qu'il obéirait, ça se fait. Ah non, il est à côté sur le cul. Ah, putain, allez, attention. Ça m'étonnait aussi de lui. Bon, première victoire pour moi, il faut défoncer l'ordinateur avant qu'il me défonce. Je te le dis parce que l'ordinateur c'est un peu. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? T'as rien, t'as un dino? On va faire 3-2. Dino train! Va plus loin! Dino train! Dino train! Dino train! Tu connais ce dessin animé quand même? Pas du tout. Tu connais pas Dino train? Ce dessin animé? Je connais pas ce dessin animé. C'est plutôt rap US, hein. Ouais. Tu as lu en moi comme dans un livre ouvert. Allez, la chiasse de bombe! Oh shit, c'est bon, j'en ai un. Gravity Bomba. Ça c'était quel jeu ça? Allez, fantastique. Le jeu qui rend épileptique, là, je sais plus. Gravity Bomba. C'est moi ou il nous reste... Plus nos yeux pour pleurer, oui. C'est pas comme ça. Eh ben je brille pas ce soir. Hein. Ouh. Ouh. Lis le message du don. Oui Zelvag, j'ai lu ton message de don, effectivement. C'est pour rapport au gage. Ça a été très vite, je suis désolé, j'ai pas pu tout lire, mais Allez, j'y crois à mort. J'y crois à mort là. La chance de ta... Oh putain, j'ai le... C'est le Arthéon. J'ai le dinosaure Arthéon. Ah, il comprendrait déjà. Il comprendrait. Ah, il l'aurait fait avant toi. C'est ça. Il a fait, j'aime bien les dinosaures qui mangent comme ça. Blah.
C'est tellement... C'est tellement valeur. Alors par contre, ils ont tous un pouvoir, mais je ne sais pas lequel. C'est vrai. Oui, je ne sais pas non plus. Ou quoi ? Il ne reste plus que toi, moi, et nous, et lui. Et tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils veulent sans eux. Oh là 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 là, on s'est défoncé. Oh là là, trou de balle, viens geek avec Venu et moi, on va montrer à Fafa toutes les possibilités en coop sur console. Ah, c'est pas comme ça que tu vas réussir à m'avoir, je te le dis de suite. On te parlera comme un trou de balle, voyons. Allez, c'est bon, on y va. Putain. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi servent les différents items si tu t'en rappelles, mon petit terrain? Oui. La flamme. La flamme agrandit la portée de ta bombe. La bombe te permet d'en poser une supplémentaire. Ouais. Je crois qu'il y a une limite, il y a un maximum. Le roller permet d'accélérer la puissance. Ouais, non, de marcher d'accélérer la puissance. De marcher plus vite. Le Grand Box permet de mettre un coup de poing à la bombe pour la faire passer par-dessus les blocs. Et le... Ah, je suis mort. Et le... Que reste-t-il alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non! Et le coup de pied permet de pousser verticalement, horizontalement la bombe. Tout sur l'ordinateur, hein, avec le 4ème player, ouais, je pense que là il est chaud cacao tombé du slip là. Et pourtant ils sont pas très bons, hein. Je pense que c'est nous qui jouons très mal. Ouais, c'est nous qui jouons très très mal, mais après 2 heures de Capcom versus SNK, nous sommes. Oh, j'ai le petit. C'est un temps, hein. Super intense, super intense. En fait, tu voudrais faire des streams à 17h quand on est encore en forme. C'est ça. C'est des streams du en tout cas, quoi. Merci d'être présent ce soir pour cette première sur Game TV. Merci beaucoup, les amis. Et merci à toi, Thierry, d'être. t'as vu? Je sais, tu parlais de moi. Non mais ça me fait plaisir que tu sois là, Thierry, ce soir pour cette nouvelle émission sur Gaming TV. Merci à toi. C'est la rien à qui disait. Toi, tu es tout. Oh là là. Elle disait aussi pour aller plus haut, mais ça n'a strictement rien à voir. Non, il est pour moi le Dragon. Dragon Ball, gotta check it out. Dragon Ball, tu viens de ça? Non, c'est le. C'est moi ou tu viens de mourir là? Ouais, c'est la musique de Dragon Ball Evolution. Ah, pas du tout quoi! Dragon Ball, c'est la version américaine, Dragon Ball! Mais pas du tout, je te dis! C'est d'une tristesse, mais tellement drôle! Oh, il est revenu le. En fait, oh, putain, faut le défoncer, défonce-le! Peu importe qui gagne, nous perdons! Alien vs Predator! Tiens, Mino! Qui c'est le papa là? Je pense une pauvre enfant. Alors, en parlant, merci Astérix le Gaulois d'être venu. Merci beaucoup. J'ai gagné. Eh oh. Oh. Ouais, je... T'es pas dans l'action, Bibi. Ça va? Attends. Pas... T'as de la fièvre un peu. Pas, ça va pas? Je pense à mon Street Fighter qui m'attend à la maison. Là. Alors, après, à chaque fois, il y a des petits jeux. Et suivant le nombre de kills que je vais dégommer. Tu auras un bonus. Pas bonus. Ah, pas bonus. Alors. C'est bien parti ça. Oh, oh. Genre ouh. Ah, mais... Non, c'est pas ce que c'est. Non, ouh. C'est pas ce que c'est. Non, c'est pas ce que c'est. Ouh. C'est vrai ça nous est au tournoi Street Fighter 2 Turbo sur Super NES. Où ça? Alors attendez parce que tournoi. Y a pas Speedzone. Oh, je baille un peu mais. Attends. Tu vois? Mais c'est peut-être ça. Tu veux tester? Bien, ouais. Allez. Moi mon préféré c'est Speedzone et Power Zone. Ah parce que c'est le truc qui vont ultra rapide. Ah ouais, c'est trop bien. Ah mais je crois qu'on a un power zone. Ouais c'est bon, on a un power zone. Oh shit. Ah il reste cet enfoiré de pirate. Pirate Tipiak. Je me demande qui c'est donc. Qui est donc cet enfoiré de. Ah je l'ai eu, je l'ai vu. Joué. Je l'ai eu. Relis le chat, mort de rire. Bonne nuit, Or. Bonne nuit à toi, Or.
Alors, donc Fred, Aurélien. C'est le pirate et moi je suis le blanc, tu es le blanc. Le Bomberman blanc. Le Bomberman. Le Blonderman. Le Blonderman. Putain, mais il est bidon ce stage, j'aime pas. C'est vrai? Alors, c'est mort. Oh la partie qui dure 3 secondes! Jason, tu attends que je. Mais ils sont dans des cartons là, ça va être un peu dur de te montrer les. Oh shit. Oh man! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh putain, il est revenu l'autre? Je l'ai eu! C'est pas vrai? Ah! Non! Oh là là, il a failli me revoir. Oh mais non, je suis le diable! Oh putain, il est revenu, le sacripant. Il est revenu, le sacripant. Ah, puis il t'esquive Jean-Yves, quoi. Il bouge même pas. Oh, ouais, putain. Je l'ai eu. C'est pas vrai, c'est toi qui est revenu. Oh, suspense là. Suspense, motherfucker, suspense. Je te le dis. Bravo, c'était bien joué. Je dis que. Ainsi que ce bon ouvrir, je me plains devant toi. Non, je ne ferai rien. Ok, il n'y a plus d'émission, Zorton. Non, je ne sais pas de quoi vous parlez, les amis. Écoute, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu du tout sur la partie ultra rapide de la mort. Allez, une victoire chacun. Je suis le blanc, Fred est le pirate. Allez, ça continue encore et encore. C'est que le début. Oh, d'accord. Je l'ai eu, je crois. Ah yeah, Amino! Yeah! Ouh, là ça va jouer plus là. Non, mais non! Oh, ça suffit là, ça suffit comme si. Ça suffit comme si. Ok? Arrêtez tout! Ou putain, David Beckham. Oh, mais sérieux, comment il fait le mec? Et voilà, Mino. Oh! Non, 3 victoires. Bah alors? Ah ouais. Ils ont vu, c'était beaucoup de travail en amont, mais bon, on est en conseil, mais moins qu'en phase pour eux, je pense. D'accord, ok. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que vous passez une bonne soirée en notre compagnie. Ça me fait plaisir, ça fait 2 victoires d'affilée quand même. Oh, c'est déjà mieux que la dernière fois, là. Toi qui faisais le mariole avant l'émission tout à l'heure, en disant. Oh, ça va, tout est fait là. Je pense qu'on devrait arrêter là-dessus. Allez, au revoir. C'est une très mauvaise imitation de moi, hein. J'ai réussi à y aller. Allez, fais ton mini-jeu là, dépêche-toi. C'est à faire. Ah, bah écoute, excuse-moi. Ah. Regarde comme c'est bien fait, regarde cette ligne de droite parfaite. Ah, ouais, d'accord. Ah, non, mais t'as lancé comme un. Oh là. Alors, est-ce que tu veux tester celui d'avant, celui-là? Ah! Pourquoi t'as bougé? Mais je sais pas. Mais tu m'as pas dit oui ou non? J'ai validé. Moi, il me va celui-là. Ah, d'accord, ok. Oui, 64, il y aura du Smash Bros, hein, ça c'est sûr. Ça je vous le dis, il y aura du Smash Bros. Nintendo 64. Ça c'est clair, net, précis quoi. Ouais, ça c'était. J'ai la permission de quelle heure? Là? Oui. Oh, encore! De bon, vos beaux yeux, je pense que c'est une preuve d'amour. Je viens de laisser le chou-sama pour vos yeux. Mais c'est une énorme preuve d'amour. Tu as sur Nintendo 64, Fred, j'ai fermé ce jeu il y a longtemps. Est-ce que tu l'as sur Nintendo 64? Non, je ne l'ai pas. Sur 64, je ne crois pas que je possède. Eh ben moi je l'ai, figurez-vous. Mais tu es fantastique. Aussi. Oh putain.
Défense-le, défense-le. Je vais l'avoir. Et c'est oh moi. Non. Et c'est moi, c'est moi, deuxième, deuxième. Oh putain, je me suis fini. Oh, je lisais le chat. Je me suis fait eu. Non, non, mais Argol, je l'ai tordu hein, tout à l'heure à Capcom. C'est totalement vrai, totalement vrai. C'est vrai. Non, mais là c'est vrai, là j'accepte un peu le coup parce que je. Fedela, il perd, putain, il y a une barrière chez Fred qui fait que Terry joue à 10% de ses capacités, comme dans le château d'Hadès. Ça va bien se passer. Ouf. Ouf, ça fait mal ça. Meurs toi, pourriture de fucking communiste là. Oh là 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 là. Oh c'est beau. Il est impérial ce soir. C'est beau. C'est beau. Ça fait une troisième victoire là. Ouais, allez, choisis le niveau et prochaine je la gagne. Allez. Troisième victoire consécutive sur Bomberman. Attention, j'ai l'impression d'avoir des ailes ce soir. D'avoir des ailes bomber aux fesses là. Alors, victory. Oh là là, déjà c'est mieux quand même que les jeux de baston. J'ai déjà beaucoup mieux. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est bien. J'avoue que c'est pas trop mal. On va dire c'est bien, mais pas top. Redis-moi le nom du jeu là, Gravity Bomber là. Ah, moi non plus, je m'en rappelle plus. Ah, c'est Vegas. Ah, depuis tout à l'heure, t'es là-dessus? Oui. Pour ça, j'arrive pas à me concentrer. Regarde comme je viens de faire de la merde là. La plus belle merde au monde. T'as gagné une tongue? C'est cool, ça me ralentit. Pour accuser la tongue, elle choisit ton niveau. Bon, on se fait l'avant-dernier pour voir ce que, pour voir ce qu'il vaut, pour voir ce qu'il donne. Allez. En mode réveil. En mode... Attention. À la façon alpiniste. C'est ça, la façon Jacques Mayol. Les hommes qui avalent l'air. Ils la mangent, quoi. Qu'est-ce que c'est ce... je ne comprends rien. Ah, il y a des aimants SN. Oh là, oh le niveau. Ah non, le niveau juste pas possible. Je ne comprends rien à ce niveau. Je vous dis de suite. Bah, en gros, les aimants attirent les bons vers eux. Je ferai pas la même bonne que toi. Ah putain, les aimants. Non, 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 non. Un mec. Oh, ça, c'est bon, ça. Oh non. C'est quoi, j'ai placé une mine, j'ai sauté dessus. Je le dis, hein, réellement. Ouais, les mines. Là c'est ce que tu as toi. T'as une mine que tu peux mettre maintenant. Non mais laissez-moi. Là. Laissez-moi rêver. Jusqu'au bout de caca. Quoi? Ah mais je n'arrive pas à sortir du coin là. Alors fais gaffe parce que là, ils sont chauds. Ah mais t'es là toi? Non, pas du tout. C'est une réminiscence. Au revoir. Écoute, j'ai pas fait exprès, réellement. Le contraire m'aurait étonné. J'ai pas fait exprès, mais c'était beau. Le contraire m'aurait étonné. Le contraire m'eût étonné, effectivement. M'eût étonné. Bon. Allez. Ça, ça va être casse-couille, je te l'ai dit. Demain tu fais un live toi. Quoi? Un live demain? Ouais. Non je ne crois pas, pourquoi? Savoir. Tu t'en poses des questions moi? Ah non par contre ça va être très très chiant ça. Je suis pas sûr que. Oh.
Tous vos dons vont au streamer sur le jeu et retrouver les liens des dons dans la rubrique dons de cette page, effectivement. Si vous voulez faire un don pour l'émission, ouah, tu casses aux vite. N'hésitez pas, vous avez la barre de dons. Ah, mais non, mais Argol, de toute façon, il peut là. Qu'est-ce qui se passe? Mais absolument, n'importe quoi. Non, je suis mort moi aussi. Tiens. Oh putain, juste quand il y avait une mèche. Je fais n'importe quoi. J'ai une petite technique pour toi si tu veux savoir. Si tu appuies sur le bouton B quand t'es en sous-coupe, elle va plus vite. Ouais, je sais. D'accord. Excuse-moi, je voulais pas te faire l'affront. On sait pas, on mange du chocolat, d'accord. Je ne voulais pas te faire staff. Staffron. T'es remords, mais t'étais revenu dans la partie, Kiki. Mais j'y suis pas ce soir, je te le dis, j'y suis pas. Je pense que j'ai tellement tout donné à Street Fighter et au compteur. On peut montrer un truc à Argol juste... Ah putain, ah oui, Argol. Argol, quand tu viens à la maison, il y a un truc, et je peux vous le dire, ça c'est le jeu qui va faire, il va nous faire des soirées. Ah ouais, celui-là. Clairement, je vous le dis, c'est des jeux qui vont nous faire des soirées. Tu me donnes un paquet d'M&M's. C'est pourquoi ça? C'est Fredo avait reparié ton paquet. Et j'avais gagné. J'ai une question, après une journée de tournage chez vous, est-ce que tu attrapes pas un peu la voix de Sparadra? Pas du tout, Mortibal 123. Non, tu n'as rien fait, on te montrera tout. Attends. À l'heure après. De quoi? C'est toi Sparadra? Ouais, t'inquiète, c'est bon. C'est top, c'est le roi. Mais attendez, mais moi c'est pour ça que j'adore mon copain Terry, parce que c'est le roi de la blague. C'est l'homme le plus blagueur du monde. Avec un humour toujours. T'es inscrit pour moi? Oui. Et toi? Non, je devrais le faire. Oui. Non, tu ne peux pas y aller. Tu veux venir avec moi à Monaco? Ouais, ça me dirait bien. Ah, ouais. Ça, c'est bon, ça. Ça me dirait bien. Et quel jeu? On va te montrer tout à l'heure, Argol, quel jeu. Tu vas voir, tu vas vite comprendre. Ah, ça va te plaire. Je pense que je vais vouloir te téléporter instantanément ici. Ah oui, non, mais attends, c'est totalement le truc pour, de compétition pour notre ami. Ah, j'ai fait un score exceptionnel. Ah, mais toi, ça, t'as, ça une méchante, t'as une méchante bombe là. C'est vrai? Ouais. T'as mal regardé? J'en ai marre, j'arrête de jouer aux choses. Je me prends plus. Ah! Je me tire! Je me tire! Ne me nevez pas, ne me nevez pas, je tire! Je suis vénère! Bon, déjà, toi, tu n'auras pas celui-là. C'est clair, net, précis. Est-ce que t'avais la bande-annonce du film avec Gad Elmaleh, Pattaya, là? C'est bon, Mino! J'ai réussi! Encore une victoire de canard, t'es trop fort. Encore une victoire de canard. Bon, t'es prêt à gueule ou pas? Allez, on va mettre un petit peu sur pause. Je te montre. Alors. Ce que je vais vous montrer, je bondis de ma chaise en voyant ça. Ah putain, ouais. Je laisse sur ce screenshot de Victory. Vous pouvez faire des screenshots, hein. Pouvez-vous deviner ce qu'est cet... Ah vas-y. Pouvez-vous deviner ce qu'est cet accessoire? Tu veux éloigner un peu quand même, merci. Ceci est un compteur de nombre de fois où vous appuyez sur un bouton. Oh putain, 10 secondes. Je peux vous dire que c'est le meilleur jeu du monde, ça. Et voici mon score. J'ai donc appuyé 123 fois sur un bouton en 10 secondes. Ce qui, vous l'aurez dit, ramène à 12,3 fois. Hein, Argol, est-ce que... te défie. Alors attends, parce que moi j'ai un autre défi maintenant. Est-ce que tu peux... En plus, il n'y a pas besoin de tromper. Est-ce que tu penses qu'on va faire mieux maintenant? C'est maintenant que je... Là, tu te prépares psychologiquement parce que là, Argol, il est là. Il est là, Argol, d'accord? Là, tu peux le briser mentalement. Mais je vais pas l'humilier dans tout le monde maintenant. Tu peux le briser mentalement. Tu ouais, peux. J'avoue, c'est tentant. Allez, allez, attention, les amis. Attends, attends, attends. Ouais, mais du coup, vous verrez pas le geste. Peut-être orienter ça un peu, peut-être orienter un peu la caméra en bas dans l'écran. Là, je te l'ai mis. Je te l'ai mis. Le record, c'est 123. Qui est le mien? On ne vous ment pas. Préciser, c'est le mien. On ne vous ment pas. 123. J'ai réalisé tout à l'heure en arrière. Terry, prépare-toi. Prépare-toi, ah, vas-y. Sais. T'es chaud, quoi. Attends, j'ai un peu le muscle de bras tendu, tu sais. Ça... Tant que je n'ai pas essayé, je non, ne mais sais pas. Non, mais il a totalement raison. Il a totalement raison. C'est juste après qu'il s'énerve. Et d'abord, voilà. La philosophie. Après, ensuite, les cris, les dinosaures qui attaquent le parc. Ne vous inquiétez pas, c'est bon. Allez. J'essaye. Moi je pense que t'es chaud. 123. Qu'est-ce qu'il y a? T'es chaud? Attention. Je ne l'aide pas. Attention. T'es prêt? Attends,
T'es tendu. Je suis presque prêt. Le mec, regardez, le truc, la caméra est là. Regardez les amis là-bas. Je suis presque prêt. Donc, ce que je fais, c'est que... Je fais tomber le matos et il n'y a plus de stream. C'est que je vais pas vous montrer la caméra parce que je vais rester assis, mais je fais comme ça, très fort avec le doigt. Allez, d'accord. 123 à battre mon propre record pour encore éloigner un peu et avec, exagérer la médiation, l'illumination de monsieur. Allez. Allez, attention. Attends. De toute façon, c'est un compteur, hein, vas-y, t'as 10 secondes pour faire mieux. 10 secondes. Allez. Je te déteste. C'est combien? Ah, j'ai fait moi, je fais 110. Ah, 110, oh. 123, j'ai fait. Oh, je suis triste. Ouais, là, par exemple, j'ai fait 110 et tout à l'heure, j'ai fait 123. Je suis tristesse. Alors là... Mais bon, 123, c'était pas mal. J'ai tellement peur de ce qu'il a pu faire. Oh mon dieu. Donc du coup, 110, mais 123, de toute façon, c'est inscrit en mémoire. Donc 110, 123, c'est le meilleur score pour l'instant qui est sur la machine. Zelwag, salut, comme Golgotha m'a défoncé cette fois en voyant le screenshot. C'est totalement faux, Golgotha approuve tout ce que je fais. Ne lui dites pas. Tu te ramollis, il a dit. Écoute, en fin de soirée, tu nous en referas un autre. Non mais il dépassera pas les 100. Donc... Salut Vince du 33500. C'est quoi le truc des nombres? Alors, on vous explique, on réexplique ou quoi? Vas-y. Ouais, vas-y. On réexplique. Alors ça c'est un truc qui est typiquement japonais en fait, qui s'appelle le Super Shooting Watch. Alors voilà, je le montre, c'est le Super Shooting Watch. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Alors déjà, super, parce que c'est la forme d'une manette de Super Famicom. Donc, t'as tout le monde, hein, pour après les mois, donc, voilà. Donc c'est ça. Donc ça a la forme d'une super d'une manette de Super Famicom. Il faut que vous sachiez qu'il existe une Shooting Watch qui est la forme d'une Famicom, d'une manette de Famicom. Donc là, c'est la Super Famicom. C'est-à-dire que nous pouvons utiliser les 4 boutons. Je vous explique en fait ce qui se passe. En fait, il suffit... Qu'est-ce qu'il y a marqué? C'est horrible. Ce qu'il est en train de me montrer, c'est horrible. En fait, c'est un compteur de nombre de touches que vous faites en moins de 10 secondes en appuyant vite fait sur les touches. Voilà. Et au bout de 10 secondes, vous avez le nombre de touches qui se fait. Et là, pour l'instant, le score est de 123, le maximum. Voilà. Allez! On continue ou pas, là? On va pas s'endormir? Allez. Bon, ça fait quoi? Combien de victoires pour moi, là? Oh, beaucoup. Beaucoup trop. Beaucoup pas rattrapable. Est-ce que tu veux qu'on fasse on essaye de commencer un petit mode histoire pour un peu ce que ça donne? Ouais. Quand t'as les yeux injectés de sang, mon petit ami. Il est totalement... Alors, c'est cool ce truc, c'est énorme, Zalwak. C'est... Le respect a disparu. C'est énorme. Je vous le dis, mais vous savez quoi? Hop là! Allez, on repart et on va se faire un petit mode histoire. Regardez-moi ça, putain. Ça, c'est les... Voilà, c'est la Madeleine de Proust, à gogo, à gaga, mais on s'en cague. Donc là, on va se faire un petit mode histoire, ben normal, hein, allez, normal. Normal ou game ou... Deux player game. Hop là. Et c'est parti pour le mode histoire de Bomberman 5. Je sais pas ce que c'est, ça, on s'en cague. Je parle pas japonais, donc on s'en fout. Ah non, non, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, ouais, je fais semblant de comprendre le jeu. Nous sommes dans la zone 1-9. Putain, je crois qu'on on est arrivé très très loin. C'est-à-dire qu'on va mettre des bombes, ça part d'attention. Je crois que nous sommes là pour tuer ce boss, en fait. On arrive directement à un boss. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce bruit? Ah, super. Le jeu s'est dit, il joue tellement bien. Fais gaffe, hein, on fait pas super. T'as le droit de les attaquer, hein. Oui, je sais, mais... Ça fait peur un peu, hein. Con, mais il a fait une charge sur moi, le gars. Laisse tomber, il m'a fait trop peur. Mais non, je suis innocent, moi. Je suis
fait tout passer pour un. Hein. Bon. Tiens, merci. Merci mon petit Terry, parce que depuis tout à l'heure, c'est toi qui débats. Hein. En fait, c'est un bon timing, là, mais... Oh, sérieux. Ouf. Allez. Je suis vénère. Allez, premier éliminé. Chelsea. Allez, il manque plus que le deuxième. Laisse-le venir, laisse-le venir un petit peu. Boum. Chakalaka. Allez, bah go, hein. On a réussi pour ce premier boss parce qu'on n'a pas commencé. C'est faux, je suis innocent. J'ai des dossiers sur ces deux-là. Alors nous sommes où là? Ces dossiers n'existent pas, ta maison va être en feu dans pas longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain. Punaise, Tintin. Pardon. On va faire très attention parce que là... Ouais, c'est Doggy Style là. C'est mal là. Oui, je suis très très mal, tu m'as tué. C'est vrai? Ah oui, c'est toi qui m'as tué là. Putain. Je crois qu'on a perdu. Il y a des mines dans ce niveau. Mais oui, c'est lui qui les a posées au début, les mines. Eh, hey, je reviens pas moi. Ah si, ah bah voilà. T'as pas eu une vie supplémentaire toi? Ah mais il fait caca des mines. Oui, il fait caca des mines. Ou alors il est renifle. Attends. Voilà, ça. Ah, ça fait mal hein. Et ça fait du bien. Ça fait mal. Et ça fait du bien. Comme une étoile. Et je viens de mourir, putain, je me suis pris une mine. Push tartu. Pour le piquer une vie, oh Terry. Ah non, mais non, 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 ça, ça m'agace, ça. Oh, hein, bon. Qu'est-ce qui se passe, là? Ah, pas du tout. Oh, putain. J'ai piqué une vie, je t'ai piqué une vie. C'est quoi? Je vais tenter une technique. Je vais tenter une mais game, game over. Possible. C'est non, quoi ça? Pas. Non, non, mais il a rien sur Noirgol. Hein. Il s'est oublié par Impact. Oui! Ah ouais. Oui, il a quelque chose sur nous. Mais on a quelque chose sur toi. C'est vrai, Sargol. N'oublie pas. Qu'est-ce qu'on a? Ce serait dommage que certains dossiers s'éventent. Tu ne me fais pas du tout peur. Qu'est-ce qu'il a? J'espère. Oh non! Oh non! Oh, j'ai bien. Foufano. Non, c'est Fanoufano. Foufano. Je lis Fanoufano. Alors attendez, est-ce qu'on arrive là? Zone 1A. Mais non, laisse, c'était sur la zone 1A. Moi, je vais où? Qu'est-ce que c'est là? Mais non, on peut pas en fait. Mais je rigole. C'est nul. Allez. Putain, il faut la voir, là, absolument là. Je compte la technique, t'es prêt? Allez, pour la force de watch. C'était quoi cette technique là? C'est trop bon fait. Ah, ça a marché. Ouais, ça y est. Et en fait, c'était quoi cette technique? Attends, en fait, ouais, on va pas tenter les trucs s'il y a des mines. En fait, quand t'as une période d'invulnérabilité au début. Ouais. Pendant que vous avez vu cette technique, Razer qui hallucine. Dans cette période d'invulnérabilité, tu appuies sur A pour poser une bombe, et en fait la bombe, tu te mets dans l'explosion d'une bombe, ouais. Et en fait au moment où elle explose, tu en poses une, du coup tu vas recréer une explosion juste sur toi. Mais comme t'es invincible, bah, tu peux en poser à l'infini et tu vas créer une explosion comme ça. D'accord. Voilà. Il faut mettre des bombes sur les flammes pour les éteindre. C'est net, oui, je viens de comprendre ça. C'est-à-dire qu'ils ont dit la logique, on la prend, on lui pose la nuit. La logique, on s'en bat le steak. Ah, en fait, je crois qu'il faut aller forcer Michel là-haut. Hein? T'es qui qu'on sait pas ce que t'es? Hein? Si, c'est, il s'allume. C'est une mèche. Merde. Ah, c'est ça la mèche? L'humour n'est pas mort, les amis, l'humour n'est pas mort. Il va pas bien, mais... Il va pas mort.
Vas-y, je vais me racheter un Bomberman sur Game Boy. Eh bien, écoute, c'est ce que je t'invite à le faire, effectivement. Je sais pas où on est, c'est très très dur. Je sais même pas ce que c'est, ces petits butonios, là. C'est sympa, oh, hein, on est joué longtemps. Ouh là 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 là, fais très attention. Ouh. Oui, fais très attention. Oui, mais attention à toi, en fait. C'est toi qui m'as défoncé, là. C'est pas du tout vrai. Je lui entends comme dans un livre. N'importe quoi. Ah, les têtes là. J'ai l'impression que. Ah, c'est du Paca. Les têtes de l'île de Paca. Bonjour, bonjour les gars, les têtes de l'île de Paca. Oh là là. Vas-y. Allez, allez. Le chat part en couille, effectivement. Oh là 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 là. Allez les amis, il nous reste plus grand longtemps ensemble pour cette première sur Ogaming TV. Enfin, c'est le connard. En tout cas, sachez que ça me fait très très plaisir d'être sur cette plateforme dorénavant. Voilà. Et que je me demande si on va pas faire du Hokuto no Ken sur PS2 la semaine prochaine. En fait, tu te sers des streams pour tester tes jeux, non? Mais non, 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 pas du tout. Pas du tout. La piché méta. Ah non, non, c'est... J'ai parlé de Okuto no Ken là. Oui, You are shock. Ishitora no Riko. Atsukanare. You are shock. And the stanawa. Atsukanare. Stanawa na stana. Scanawa na stana manas gan. And if bananas gan. Il est un peu trop facile ce jeu, Riser. Pff, écoute, c'est parce que non, tu as des PGM avec toi, c'est pour ça. Comme ça, là. Regarde-moi ce Sebulba là-bas, là. Con ? Ouais, t'as eu du Moumoule Boy, là. Non, je suis calculé. Oui, je vais calculer. Moumoule Boy. Calculer la moula. La moula. Moi, je calcule la moula. Moula, moi. Moi, je peux te dire que je la calcule moi, bien, la moula. Moi, je vais l'atteindre, tu vois. L'atteindre. Putain. On voit qu'il est minuit moins 20, on commence à sortir des blagues de merde. Ah, d'accord. Attends, parce qu'à la fin de l'émission... Fail Terry confond au couteau de Ken, ça c'est bien. Je savais. À la fin de l'émission, on va devoir noter le jeu de la soirée, donc Capcom versus SNK. Et tu vas expliquer pourquoi ta note. C'est un peu le concept. D'accord ? Donc choisis bien tes... venir avant. Oh, ça va, tu connais pas. Quoi, non ? Je viens de mourir comme une merde. Pas ta susceptible, là. J'ai fait un game over, là. Comment ça se fait que j'ai fait un game over ? Il ne reste plus que toi pour sauver la terre de l'amour dans les fesses. Sauver quoi ? Quoi ? Bien, bravo, allez. Le deuxième en bas et c'est bon. Rive mes oreilles. Tu viens de mourir ? Ouais, en fait, j'ai voulu avancer, mais non. Oh putain. Allez, on continue. Ah, et toi, tu confonds... Okuti no Ken avec Okuto no Ken. Okuti. Okuti no Ken. Daiki Himiti. Attends, mais depuis tout à l'heure en fait, c'est la zone 1. C'est la zone... Elle est où la zone 1 non. Mais pourquoi en fait je... Alors attends, je ne comprends rien à ce jeu en fait. On arrête là. Ouais. Et que... Oui, désolé pour ce fail. Ça, c'est un vrai fail. C'est vrai. Bonne nuit, Jason. C'est le vrai Jason Statham. C'est le vrai Jason Voorhees. Alors bonne nuit Jason, mais fais gaffe au camp de jeunes. Hein, Crystal Lake là, Bien. Bien Mino, bien. Bon les amis, on va s'arrêter là-dessus, je pense. On va s'arrêter sur ce. Sur ce petit. Donc ce petit. Cette petite victoire quand même. 5 victoires de ma part sur Terry, sur Bomberman. Bravo. Je suis assez content. Ouais, je suis assez content parce que c'est pas habituel. Je vous avouerai que la dernière fois que Terry et moi on a joué à Bomberman 5, il nous a mis un peu la rousse. Okay, il y avait j'avais cassé tout le monde. Et tu as fini, je sais pas combien, tième aussi dans un championnat de Bomberman. Ah oui, le tournoi de la association Toilet of the Gods à Oribo sur Sienne. Il y a quelques mois, j'ai fini deuxième. Deuxième, avec du un petit coup de chance, je le confesse, mais j'ai fini deuxième. Donc du coup, c'est vraiment cool. Je suis content d'avoir battu Terry ce soir, au moins à Bomberman, et pas à Capcom versus SNK2, qui était donc le jeu que nous testions
Ce soir... Je demande une revanche, hein, pour Bomberman. D'accord, d'accord. Mais ça sera à 8 clos. Ça sans va. Rien, 9, tranquille, préparé. 9 clos, si tu veux. Allez, c'est parti. 10, Bon, Terry, donc, pour finir donc, cette première émission de Saturday Night Player, oui. Le concept, donc, c'est de tester des jeux multi-rétro, des jeux qu'on aurait pu faire avec des potes en soirée, un samedi soir, autour d'une pizza, de quelques bières et tout. Donc moi, maintenant, ma question, Terry, c'est est-ce que c'est un jeu que tu conseilles en soirée avec des potes ? Capcom ? Oui. Non, je parle de Capcom versus Saturday. Là, le conseiller en soirée avec des potes, non, ça reste un jeu, je pense, réservé à... Enfin, réservé, non, je saurais pas dire. Je pense qu'un Street Fighter 3, par exemple, peut être plus adapté à des potes qu'un Capcom vs. SNK 2. C'est vrai. Ah, ouais. Tu penses réellement ça, ça me fait halluciner, quand même. Par rapport au gameplay qui est un... On jouait vraiment à Bomberman, hein. Par rapport au gameplay qui est un petit peu plus accessible, bon, là, je reste un peu sur le support Dreamcast aussi, mais... Ouais. Oui, c'était, je pense, plus accessible. Capcom vs. SNK 2 est un peu plus exigeant. Non, en fait, les deux sont exigeants. C'est dur à dire, mais c'est pas un jeu de soirée, en fait. C'est ça, le problème, à la base. C'est que c'est pas un jeu pour passer une... T'es en train de niquer la réputation non, de l'émission. Non, c'est génial là. C'est pas pour faire pas faire une soirée à 4-5 sur un Capcom vs. SNK 2 si tout le monde n'a pas le même niveau, en plus. Tu vois. Ouais, je veux dire, on n'aurait pas pu faire, nous, 3 heures sur ce jeu. Alors qu'à 4-5, on peut faire 3 heures sur Bomberman sans problème. Je comprends ce que tu veux dire. Maintenant, par contre, en versus fighting, à 2 joueurs, il est là. Plus haut, il y a le soleil. C'est vrai. Ah, je pense. Il y a Marvel vs. Capcom 2. Marvel vs. Capcom 2 qu'on fera... écoute, ce public de Gaming TV est très très bon, mais on n'en a pas vu beaucoup. On a pas vu beaucoup du public de Gaming TV. Je pense qu'ils étaient là en train de regarder et tout. Mais il n'y a pas eu trop d'interaction avec le public. Mais, tu es timide peut-être. Peut-être. Je les ai un petit peu intimidé, effectivement. Donc, une note sur 10. Je vais lui donner 8. 8 sur 10. Mmh. Ok. Donc. 8 sur 10 pour moi, maintenant, moi. Ah bah on est là, bah oui hein. Alors moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup, Capcom versus SNK 2, parce que ça a été un jeu que j'ai beaucoup fait le samedi soir, j'ai beaucoup fait en soirée ou avec des potes. Effectivement, c'est dur de jouer, mais après, en même temps, je pense que c'est dur de jouer à tous les jeux de baston à plusieurs. Vraiment. Parce que quand on va se faire une soirée, on va être 4-5, il y a un mec genre comme toi qui va arriver, qui est le gars au top, qui sait jouer, qui va cramer tout le monde. Voilà. Effectivement, on prendra pas le plaisir de jouer contre toi que l'on va jouer avec un mec qui a le même niveau. Mmh. Ça, c'est sûr. Après, de là à dire, c'est ce qui fait que le jeu n'est pas très bon pour jouer en soirée, je pense pas. Moi, j'aime beaucoup Capcom versus SNK 2. Je suis d'accord quand tu parles de Marvel vs. Capcom 2 en disant que s'il est plus abordable. Mais pourquoi aussi ? Pourquoi ? Mais ça, on le verra dans une autre émission. On le verra dans une autre émission. En tout cas, si je mets 8 à Capcom vs. SNK 2, j'ai beaucoup de mal à dire ce nom de jeu. C'est parce que pour moi, le 9 revient à Marvel vs. Capcom 2. Mais alors le 10 ? Le 10 ? Sur un jeu de baston ? Oui. Un peu rétro ? Un peu rétro. Le 10 ? Ultime. C'est vrai? C'est dur, hein? Oh là là, attends, laisse-moi 2 minutes, je réfléchis. Vraiment le 10. Ouais, le 10, ouais. Ah, c'est dur, c'est une bonne question. Vous aussi, balancez un peu sur le chat. Balancez sur votre chat un peu le jeu de baston pour vous qui mérite la note 10, le jeu de baston ultime, rétro, qui mériterait la note 10, le truc, le jeu qui vraiment vous voudriez jouer, mais tous les jours à jeu, ou vraiment faire des soirées ultimes sur ce jeu. Allez-y, balancez. Dites-nous. Moi, ça serait. Ouais, je vous le dis. Je pense que ça serait le. Le Street Fighter de Turbo. Ah, c'est. Parce qu'il. Je trouve que. Ça, écoute, je ne peux pas te donner tort. Vraiment. Vraiment, parce que moi, Street Fighter 2 Turbo, je trouve que. Il est vraiment bien. Il est vraiment super bien. Vraiment. C'est le jeu, en fait, Street Fighter 2 Turbo. Je dirais que c'est un peu comme un Star Wars. C'est intemporel. C'est-à-dire que tu peux très bien jouer avec des mecs qui dosent
aussi bien jouer avec des mecs qui n'osent pas, tu vois. Parce que t'as pas encore toute cette technicité, en fait, toute cette technique qu'il y a avec les jeux, t'as pas tous les trucs et tout. Beaucoup plus sur le Street Fighter Turbo, déjà, c'était les étoiles qui permettaient de régler la vitesse. Ouais. Un cheat code qui permettait d'arriver jusqu'à 10 étoiles qui rendait le jeu, mais complètement fou. À 10 étoiles, c'était très surtout, très vite. Impinable. Et tu vois, c'était fun. Donc tu pouvais retrouver le côté fun. Le côté turbo par rapport au Street Fighter 2 qui est terriblement lent en comparaison. Donc tu t'amuses beaucoup plus. Et enfin voilà, il a tout. Le roster il était énorme à l'époque. Et le truc qui était bon. Alors, c'était super bien, mais d'un autre côté... Les boutons, le gameplay et tout, c'était un sans faute ce jeu pour moi. Moi, le truc qui était... D'ailleurs, tu peux montrer. Regarde, il y a la boîte qui est juste là. Tu veux le super ? Ouais, oui, le super. C'est celui dont on est en train de parler, là, non ? Non, moi, je parle de celui-là. Ah, d'accord ! Oui, je parle de celui... Alors, attention. Ah, d'accord ! Alors, attention. Je ne parle pas... Alors, bien pour embrouiller, je vais montrer l'inverse. Je ne parle pas de celui-là. D'accord. Je parle bien de celui-là. Alors pour toi, Street Fighter 2 Turbo est meilleur que Super Street Fighter, alors ? Par rapport à l'ajout des étoiles, oui. Par rapport à l'ajout des étoiles ? Oui. Mais dans Super Street Fighter, il me semble qu'il y a autant de speed non. sans l'ajout de toutes les étoiles. Non. Il n'y a pas un code à Super Street Fighter 2 pour ajouter non. des étoiles ? Non. Non ? Mais c'est... Non. D'accord. Écoute, je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup de jeux. Je me rappelle, j'avais eu une discussion avec Benzaï un jour qui disait que lui, il préférait. Alors, on valide, tu vois. Merci. Il préférait Street Fighter 2 Turbo comme toi, Super Street Fighter 2. Mais lui, il me disait que c'était pas nécessairement pour le gameplay ou quoi que ce soit. Et c'était par rapport au remaniement des musiques, en fait. Il trouvait les musiques dans Super Street Fighter n'étaient pas aussi bonnes que Street Fighter 2 Turbo, en fait. Le bruitage aussi, voilà. C'était que Super Street Fighter. Voilà. Donc, oui, mais pas... Oh là, pardon, j'ai embrouillé. Alors, oh oui, je te valide, Terry. Donc, du coup, pour Terry, Street Fighter 2 Turbo qui mériterait ce 10-10, bah, ça sera une soirée. Ça sera une soirée, ça, c'est sûr. Pour ce qui est du retro gaming, ouais, je pense que ça serait celui-là. Et pour ce qui est du contemporain, du... Alors, Sanosaké, pour lui, le 10-10 en baston, c'est KOF 11 sur PS2. KOF 11, d'accord. Killer Instinct Gold qui est très très bon malheureusement, alors ça sera aussi une soirée Killer Instinct Gold, je vous le dis, malheureusement Killer Instinct Gold, donc le Killer Instinct de la Nintendo 64, le problème avec Killer Instinct Gold c'est que outre c'est la maniabilité, c'est surtout ça, la manette de la Nintendo 64 n'est pas faite pour les jeux de baston, je suis désolé. Il existe un pad arcade Nintendo 64. C'est pas vrai. Écoute, je savais pas du tout. Oui, Zalwa, qui va avoir plein de soirées, plein de soirées, vous allez voir, il y a plein de jeux baston à faire, il y aura du Ranmain demi, il y aura du Samurai Shadow, on parlait tout à l'heure de Les Blade 2, il y aura du Les Blade 2. C'est bien, moi je connais rien, Argol 360, moi c'est Ranmain demi. Ah oui, Killer Instinct, je peux vous dire qu'il y a un tueur à Killer Instinct. Hein. Là, c'est Killer Instinct, je jouais beaucoup. J'y jouais beaucoup, et il y a pas longtemps, je fais un tournoi que j'ai gagné, les combos sont revenus, et on a fait une finale d'anthologie. Bon. Mais écoute, alors moi, pour moi, Capcom versus SNK 2, eh bien pareil, je dirais 8 sur 10. Je dirais 8 sur 10 parce que c'est un jeu sur lequel je me suis beaucoup amusé. Et je pense que si vous avez des bases à Street Fighter, c'est un jeu où vous ne serez pas trop perdu. Bien qu'il y ait eu des améliorations entre-temps, qu'il y ait eu des ajouts de... Qu'est-ce qu'il dit ? Sinon, Terry, t'as laissé ton secondaire à la porte ou tu l'as perdu il y a des années. Mais regarde comme il râle. Argol, tu reviendras. Y a pas il n'aime pas, il fait des blagues, on le break dessus, il croit qu'on ne comprend pas son premier degré. Oh là là. Donc, du coup. Son premier degré. C'était trop bien à l'époque. Oui, il y aura du Soul Blade aussi. Donc, les copains. C'est vrai que Soul Calibur. Oh là là. Soul Calibur, Soul Blade. Il aurait mérité. Dead or Alive. Non. Il aurait mérité une très bonne note. Le 2 Ultimate, il aurait mérité une très bonne note. Tu sais ce qu'on va faire ? Il y aura du Virtua Tennis, mais il y aura aussi du Power Stone. Mm-hmm. Et tu sais ce qu'il va y avoir aussi ? Je ne sais pas si tu te rappelles. Le jeu de volleyball Super Spike. Comment il s'appelait sur GameCube ? Beach Spiker. Alors ça, par contre, on en a fait des soirées à Beach Spiker. Chez moi. Ça, c'est chez clair. Moi, on a joué. Et vous savez quoi ? On va porter le vice au maximum. Je te le dis, Terry. Et ça, c'est une émission où tu seras présent. On va faire du SingStar. Si. On fera du SingStar sur PS2. C'est le jour où je suis malade, ça, non ? Pas du tout. Tu seras là. On fera du SingStar. Salut, Sora91.
Donc du coup, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux, vous allez voir, franchement, il va y avoir... Si on joue à Beast Fighters, je viendrai avec une surprise. C'est vrai? Oui. Ah bah écoute, écoute, ça va, ça sera un jeu... Par contre, on peut jouer à 4 à Beast Fighters, si... Oui. Les amis, je vous annonce une émission à 4 sur Beach Spikers, vous allez voir, ça va être très très sympa. La semaine prochaine, c'est une très très bonne question, la semaine prochaine, je ne sais pas encore ce que nous allons faire sur Saturday Night Player, mais n'hésitez pas à regarder mon Twitter ou ma page Facebook et vous aurez quelques indices, peut-être que je balancerai avant la fin de la semaine. En tout cas, les amis, merci à vous d'avoir été présents ce soir pour cette première sur OGaming TV de Saturday Night Player. Mais oui, Argol, tu seras présent pour le SingStar et tu seras présent pour le Beat Spiker. Non, je te surjoue, ça vaut pas le coup de réserver cette soirée pour moi. Donc les copains, merci à vous tous d'avoir été présents ce soir pour cette première émission de Saturday Night Player en compagnie de Terry. Merci Terry d'avoir été présent ce soir. Merci à tous pour vos dons aussi, c'était vraiment super cool de votre part. Moi je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission de Saturday Night Player sur OGaming TV les copains. Et bah, écoutez, en tout cas, hop, attendez, j'enlève ça, hop. Et je remets ça. Moi, je vous fais à tous de très, très, très gros bisous. Et je vous dis donc à mardi prochain pour une nouvelle émission. Gros bisous et merci. Il n'y a pas les alertes dons, non. Il n'y a pas les alertes dons sur cet écran-là. Il y a les alertes dons sur l'autre écran. Donc voilà. Vivement, vivement le prochain live. Bah, écoutez, merci beaucoup. Les amis, gros bisous à tous. Bisous Terry. Merci à toi d'avoir été présent. Je te fais un bisou quand même. Oui. Ah, je suis très content. Et je vous dis à très, très vite, merci les copains. À très vite. Et bonjour.